Eh, tu sais, euh, Valar, ce qui est en train de se passer, mmh, c'est que je suis le... la personne qui aura le participé au plus de labels et l'Apéro. Ouais, oui, parce que tu étais, je... étais là quand j'étais pas là, et tu pas là maintenant que Max est pas là L'inverse, hein on s'est compris <rire> <rire> Hein <laughs> Non, mais on est le 26-12-2022, et tu sais que c'est le dernier 26-12-2022. C'est vrai que c'est le dernier euh, lendemain de Noël de l'année. C'est euh, aussi le premier. Euh, oui. Salut Fanny, salut Myriam, salut euh, Good Car, joyeux Noël à tous bien sûr, salut Max aussi. Euh, je sais pas si la musique c'était Harry Potter, c'était quoi la musique Valar, c'est toi qui m'a dit de mettre euh, J'ai mis euh, Olympic Fanfare and Theme de John Williams, c'est le thème qu'il a composé pour les JO de 94 à Los Angeles. Après le truc avec euh, John Williams c'est que tous ces thèmes se ressemblent de toute façon donc ça aurait pu très bien pu être dans Harry Potter, c'est vrai que ça ressemble un petit peu c'est un peu le... Oh ouais, c'est hein. pas 94, c'est 84, désolé. Ouais, c'est pareil. De toute façon. Ouais, c'était l'année de Bah euh, Je t'emmerde, non. Euh... 84, j'étais pas né. 94, je plus. Est. Bon alors, on a on parle de quoi ce soir ben Max il l'a dit dans le sommaire, hein il nous a fait un sommaire. Merci Maxime Oui, merci Maxime T'es avec nous dans le cœur et dans le sommaire Et vous avez vu euh, Nouveau layout Incroyable! Il donc. est incroyable. Je l'ai découvert aujourd'hui, là, quand on a lancé le live. Côté. Hein. Il est génial. Hein. Ouais, 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 c'est ça. Puis, puis bon, j'ai une planche, j'ai quand même du jambon en dessous de moi, quoi. pas souvent ça dans Mais moi, j'ai des chips. Des chips. Et des miettes. Hein. Euh, ouais, en revanche, tu sais ce qui se passe, c'est que la chatbox ne marche pas. Mais, euh, ah merde! Donc, euh, je vais regarder ça. Euh, je sais pas ce qu'il a foutu, Maxime, encore. T'es sur quoi aujourd'hui? Tu vois quelque chose, toi? Alors, euh, je bois des trucs, mais euh, je sais pas où j'ai foutu. Donc c'est... Je sais pas. raconte-nous, raconte-nous, que je regarde... Pour Alors que... moi, je bois quasiment rien, parce que hier, c'était le Noël, j'ai fait des excès. Et du coup, aujourd'hui, je ralentis un petit peu sur l'alcool, je vais euh, rester à l'eau. À l'eau Et puis j'ai du fromage, j'ai de, des Monaco de Belin, j'ai de l'Emmental, j'ai du, du Bri de mots Du coup, euh, je laisse tomber l'alcool pour l'instant. D'accord. Oui. Fanny, elle est trop bien de la petite pinte, elle a même un nom. On lui a donné un petit nom, je te laisse le dire, que rien. Euh, ah euh, oui euh, c'est Jean-Bière C'est Jean-Bière Enfin je sais pas trop on était d'accord Ah bon on était d'accord Parce que moi j'avais dit ça mais il n'y a pas eu de De vrai hein, Chose Non moi Jean-Bière ça me va très bien Bon bah parfait Parfait je suis content Ah voilà le chat Mais oui voilà c'est beaucoup mieux Je sais pas pourquoi il avait disparu As vraiment, tu passes une demi-heure à, à faire les layouts. Euh, c'est normal, vous ne l'avez pas encore, mais moi je vais l'avoir. Euh, donc, paf, voilà. Je sais pas pourquoi. Euh, tu, tu passes une demi-heure à préparer ton layout, à faire tout, euh, machin, et puis tout ça pour qu'à la fin, bah, euh, le, le, la chatbox disparaisse. Je trouve que vous avez fait vraiment un boulot exceptionnel sur le layout et je suis vraiment... Enfin, je suis euh, c'est bah, En vrai, c'est surtout Nagla et Max ouais. qui ont bossé. Euh, moi, j'ai bossé plus sur la partie technique pour ingéncer euh, les trucs, donc ce qui ne marche pas finalement. Donc, c'est <laughs> parfait. Euh, ouais. Mais oui, comme Donc, tout. Hein. Euh, du coup, encore une fois, Joyeux Noël à tous. Hein. Joyeux que Noël. Vous avez reçu plein de cadeaux. Et euh, on espère qu'il n'y a, qu a personne n'a reçu le coffret Scorpio. Oui, est-ce que vous avez reçu un coffret Scorpio, bien sûr Et Je pense qu'on devrait faire un point la dernière citation de Tonton Walt tous les lundis. Je pense que ce sera intéressant. Bon, ça sera un contenu pour le label L'Apéro. Pour, pour, pour non Moi, ça me bah, va très bien. Donc, oui, c'est pas Egotrip si c'est nous qui le faisons. Tu vois, genre si c'est Max, et moi idée. ou... Tant que c'est pas toi qui le fais, ça va en vrai. Alors, je te la lis, c'est... Salut la team, je vends un iPhone 4... Non, c'est pas celle-ci. Pardon, mauvaise blague. Euh, moi, euh, Goodcar j'en ai déjà eu un de coffret Scorpio qui m'avait été offert par ma tante. Euh, ta tante GP euh, Oui. JP oui. <rire> la, <rire> la, la grande principale, <laughs> la fameuse. <laughs> si tu veux, um, je oh, te vois dans. Je t'ai envoyé dans le... dans le chat de Ninja la citation de tonton Walt. Si tu veux en parler un petit peu, parce que ça me gêne d'en parler moi-même. Oh. Ben, je, je crois que la citation de tonton Walt, c'était. Tu peux pas me la faire C'est quand même ta citation. Tu pourrais me la lire de manière assez, assez thématique, j'ai envie de dire, de manière un peu compliquée. <coughs> Tu fais l'école de Noël ou c'est bon <tix> Un jour, <tix> ton Val t'a dit. <tix> Joyeux Noël à tous Si vous avez reçu un coffret Scorpio, ne soyez pas déçus. Il y en a qui ont demandé un land de Star Wars. Et eux, ils sont probablement déçus, non euh, probablement, oui. Ouais, on sent bien. Hein. Tu sais qui était vachement déçu en lisant la citation Euh, toi non, Bécherel, parce qu'il y, y, y a une faute d'orthographe. Ah oui, oui, bah oui. Et la pourtant, euh, moi j'ai le souvenir, de souvenir de... que des gens l'ont fait la corriger, la faute d'orthographe, en amont. Ouais, mais c'est la fameuse GDB post-Noël. Ouais. Je l'ai posté entre deux verres de vin et pas... je me suis parlé. Parlant de gueule de bois, on est d'accord que le fait que euh, notre, cher, euh, notre cher Elon Musk a rajouté l'icône vue fait que systématiquement, quand je veux retweeter un truc, je clique sur le bouton réponse et ça me rend ouf. Ouais, c'est fou. Je, je piche pas l'intérêt. Je, je comprends vraiment pas pourquoi les gens font ça. Et surtout, il aurait pu au moins le mettre à droite, quoi. Bon. Bon. Est-ce que tu voudrais pas euh, meubler deux secondes le truc je trouve mon père Vas-y, vas-y, vas-y. <laughs> J'aimerais... J'espère quand même que pour, euh, pour Noël, le, le Papa Noël des parcs Disney va apporter plein de nouveautés l'an prochain et qu'on ne va pas se taper à DLP juste un, juste un vieux concept art de merde et pas de vraie nouveautés en dur. Parce que j'ai érodisé la citation de Tonto Walt en parlant du land de Star Wars, mais c'est vrai qu'on est, on est à la fin de l'année 2022, on n'a pas vraiment de vision, de vision claire sur ce qui va arriver l'année prochaine. On sait qu'au mois de septembre, il y a le spectacle Pixar, et c'est à peu près tout. Donc moi bon, j'espère que, que c'est mon vœu de Noël, c'est ma... C'est mon espérance de Noël qu'on va très vite avoir des nouveautés, qu'on aura des trucs cette année et qu'on n'aura pas payé un pass annuel dans le vide parce que là, les seules nouveautés qu'on a eues cette année, c'est les 30 ans et les 30 ans, c'est bien pourri. Enfin. Et vous, dans le chat, vous voulez quoi comme nouveauté pour Noël Vous avez un, un land favori, un land que vous voulez voir arriver C'est tout ce que Nagla, il est sur du land de Star Wars euh, Max, euh, à la réponse, on est à la question, on est quoi, on est sur quoi ce soir comme liquide Moi, je suis sur de l'eau, parce que il se peut que j'ai un petit peu abusé l'alcool euh, la, la dernière fois. Du coup, euh, là, l'eau c'est bien. Alors Re, t'as retrouvé ton liquide Oui, tout à fait. La, la Kallax c'est bien monté. La t'as meublé, comprends ah oh oh putain. Oh, là. Moi j'avais décidé de, de commencer un petit peu en finissant quelque chose. Vas-y. Euh, je fais un truc patri catholique, c'est-à-dire que euh, je vais pas rincer mon verre entre deux boissons après. Et en fait, il me reste du mousseux. Ah le fameux. Et euh, je l'aime bien mon mousseux, il est vachement bon. Voilà, j'y connais rien. Donc c'est sans doute pas ouf, mais euh, je m'en fous parce que c'était pas ouais, trop cher. Pas, on... on a pas Max pour faire son connard de de, de Rémois euh, dans l'assistance là. Ouais. Voilà, de la charrette char petit... de dit. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, ah, je connais bien rien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc on est vraiment sur un fond de type. Euh, j'ai demandé aux gens dans le chat. Et donc, j'ai demandé astuches, dans le chat des astuces, C'est aussi de ça que je voulais parler. C'est comme quand on a une grande bière qui n'est pas entamée, sauf que bah, là. Euh... Bah, là se pété, non, laisse tomber. <laughs> en fait, <laughs> j'avais fait une astuce, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, il est là. A connaissez-vous l'astuce pour refermer une bouteille de mousseux ou de bière entamée Non, si est-ce est que, que tu la, tu la cuillère connais dedans, mon je que je... De quoi si Tu dis que c'est la petite cuillère dedans pour... non, non, mais je suis qu quelqu'un de sérieux. Vas-y, dis alors. Et eh ben c'est ça, regarde. Je vais... je vais le faire et tu vas me dire si si tu trouves ça <laughs> C'est un peu ghetto, c'est un peu mal fait. Hein. Tu me connais, c'est ma, ma spécialité. C'est du C'est du, du, du film alimentaire avec un petit élastique tout simple, tout bête. Et ça marche plutôt bien. Ok. Bon, ça là, il a deux jours, me. donc ça marche un peu moins bien. Et puis, euh, je l'avais peut-être mal fait. Mais, <laughs> mais franchement, euh, hier encore, il était très, très, très mousseux alors que j'ai entamé avant-hier. Euh... Pendant voilà. que c'était parti, j'ai demandé au chat quel était leur vœu pour Noël, qu'est-ce qu'ils voulaient l'avoir. Pour Noël d'un point de vue parc. Ah. Et on a Fanny qui nous dit un hein, Galaxy's Edge euh, aussi, euh, zéro hésitation. T'as Goodcar qui veut une nouvelle parade et un nouveau show nocturne à la place Dilu, je suis assez d'accord. Euh, Il <laughs> y a Nautilus qui dit la seule chance qu'il y ait une nouveauté à, zéro, à DLP, c'est qu'on joue tous à l'euro million et qu'on donne tous l'argent à Disney. Euh, Sad but true, comme on dit. Et, là, et Sam Therapy qui dit Irlande avec des restos hors de prix. Je non, pense pas Sam, que c'est le vœu le moins possible. Euh, oui, oui, effectivement. Bah, après, tu vois, moi, je, me, euh, je, je suis en train de revenir un petit peu sur, sur Avatar et, et Galaxy's Edge. Tu vois, moi, je je t'avoue que je suis en train de me poser la question. Il y a, le, il y a DLP Works qui a fait un sondage cette, ce, la semaine dernière où ouais, il demandait ce que les gens préféraient entre un Galaxy's Edge et un euh, Pandora, donc un nom d'Avatar. Mmh. Et. Bah, en fait on était sur un 50-50 Je crois qu'il y a une toute légère avance sur Galaxy's Edge Mais c'est vraiment ridicule quoi Pour 2000 votants ouais. Mais c'est vraiment un poil de cul l'avance hein. C'est peut-être 10 personnes quoi Et je trouve ça hyper intéressant parce que Je pense que si tu posais la même question il y a un an ou deux La réponse Aurait pas été la même Je pense que la vie des gens a plutôt changé Et euh, est-ce que c'est grâce au film Avatar je ne sais pas Est-ce qu'il n'y a pas un côté tu sais où on voit que Toujours un peu la galère euh, à Galaxy's Edge pour faire tourner Rise of the Resistance euh, mm. toute la journée euh, dans des conditions fiables, rien qu'en Californie et en Floride. Alors à Paris. Euh... J'imagine même pas. Et euh, yeah. puis, après, il y a cette question du, euh, du, du double. du fait d'avoir deux attractions plutôt qu'une. Alors, mm. ok, elles sont un peu plus petites. Enfin, en il un... y en a une qui est plus petite et l'autre qui est beaucoup plus petite, en gros. Mais ça reste, il y en a une des deux qui est quand même un, un, un gros ride, quoi. Enfin, euh, Flight of Passage, c'est quand même un, un gros euh, flying theater, euh, très 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 nouvelle génération, et ainsi de suite. Là où... Euh, là où euh, Navi River Journey est un petit Dark Ride en bateau, assez cool, quoi. Et mine de rien, un petit petit, petit Dark Ride en bateau dit quand même un débit certain. Et tu vois, moi, et... quand je, me, je, je pense à ma façon de visiter les Walt Disney Studios, je pense que si j'avais un Navy River Journey, je le ferais presque à chaque fois. Ah mais c'est évident, de toute façon, ça manque de Dark Ride. Au... Alors que tu vois, ouais, Flight hein. of Passage, s'il y a de l'attente, ça fera peut-être un peu comme, euh, comme Web, par exemple, quand j'y vais euh, en temps normal. C'est-à-dire, bah si vraiment dans le groupe il y a des gens qui veulent le faire, on le fait, tu vois. Mais sinon, bah, s'il y a 60 minutes, 80 minutes ou 120 minutes d'attente, euh, merde. Tu vois. Alors que là, le fait d'avoir deux attractions va permettre de diviser un peu l'affluence et surtout d'augmenter oui. la capacité du parc et d'augmenter le nombre d'attractions intéressantes, en fait. Et euh, effectivement, il ouais, y ça. ça manque dans ce parc. De toute façon, je pense que le très bon débarrage d'Avatar 2 en France et potentiellement en Europe, je ne suis pas sûr, j'ai des, des chiffres, hein, euh, va euh, mettre le dernier coup de pelle sur la tombe d'un Star Wars. Je ne je, je sais pas, ce n'est pas le définitif, mais ça ne m'étonnerait pas que euh, ça penche en incision pour mettre un Pandora. Il y a Fanny qui n'est pas d'accord, qui trouve qu'elle n'est pas emballée par Pandora et qu'elle n'aime pas la, la liste d'Avatar. Je trouve que l'argument ne se tient pas tellement parce que euh, bah, le Land Pandora, même si on n'aime pas Avatar, euh, Valaret s'en fout d'Avatar, elle n'a pas aimé du tout le 1. Bah, euh, il est beau. Euh, il a un effet waouh. J'ai vu il est... quelques photos il et j'ai vu les missions. T'as vu comme moi les missions, euh, les mariages Disney qui se passent à Pandora ou pas Ouais, tout à fait, c'est fou. Il... C'est incroyable. Je ne voulais pas le regarder au début pour ne pas me mais faire toi... spoiler, puis finalement j'ai craqué. Mais c'est génial. Enfin, c'est époque... ce qui nous manque. À cette époque-là, tu vois, je n'avais pas vu le film Avatar. Je ne euh... vais pas vous mentir, je l'ai vu hier, le film Avatar, pour la toute première fois. Et, mmh. euh... Bah en fait, t'as déjà envie de voir le land. En fait, c'est pas parce pas que mon. tu connais pas la pas licence, licence que tu veux pas voir le land avec Star Wars. Tu vois, tu reconnais que l'impact est fort, le land est plus grand. Et donc, qui dit land plus grand dit qu'il sera plus coupé chez nous aussi. Hein, attention, mm -mm, et euh, mais, mais, mais c'est factuel pour le coup. Enfin, il n'y a pas la place. Oh, merci beaucoup pour ton sub, The Valaré. Euh, ça fait plaisir. C'est heureusement qu'il y a des gens qui regardent le, le live. Hein, franchement. Euh... Pour, euh, pour donner oh, les... On, on a une dizaine, est une dizaine. On ne pas hein, retirer l'argent de, de Jeff Bezos pour euh, les mettre dans les sous de l'association et la bête. Euh, voilà. Donc je suis le trésorier. Et, euh, je fais très attention à votre argent. Euh, ne vous en faites pas. Et, <laughs> et donc, euh, ouais. Donc c'est ce que je disais. C'est. Euh, ouais, le land avatar en lui-même est très bien. Alors que tu vois, euh, Star Wars, il y a un côté. Je pense que tu as plus de fans, c'est sûr. Mm. plus de fans de Star Wars que de fans d'Avatar. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais peut-être que c'est moins sexy pour le public euh, plus général. Peut-être que c'est un peu plus. Ah, encore du Star Wars. Ok, euh, tu vois. Oui, on n'a que Star Tours, mais on a quand même Star Tours. C'est pas rien non plus. Avec une boutique, avec son meet and greet. C'est pas rien, quoi. Il y a beaucoup de licences qui ont pas ça actuellement. Hein. En Et, plus, euh... Galaxy's Edge, c'est pas Tatomine, c'est tout. Oui. Je pense que. Alors oui, on va me dire, euh, c'est incroyable parce que c'est une création. Ils ont pas pris le l'aide d'un film. Ok, du côté créatif, c'est bien. Mais je pense vraiment que le grand public, le grand public, ce qu'il veut, c'est Tatooine. C'est un truc qu'il connaît. Le processus créatif derrière, bah je pense que le grand public, il s'en, sont... il car le cul. Hein, Excuse-moi du terme, mais non, je suis assez d'accord. C'est marrant parce que j'en parlais il y a pas longtemps dans un podcast qui sortira dans plusieurs jours euh, et pas, euh, je rien que d'y penser. Mais mmh. euh, mais ouais, en fait, c'est un truc où. Ah, les gens, euh, ils ont... enfin Star Wars, ils connaissent, ils ont vu. Il euh, y a Star Tours. Euh, oui, oui, c'est sûr que Galaxy Edge va faire venir du monde. On dit pas l'inverse, mais ce sera peut-être moins marquant. Et, et, et surtout si tu réfléchis en termes de parc, Avatar apporte un côté verdure et euh... pour moi le, les, les montagnes flottantes, c'est Quelque chose qui, visuellement, est beaucoup plus impactant que tout ce que tu peux faire avec Galaxy's Edge. Mmh, totalement. Ça veut pas Mais dire ça que manque... c'est dégueulasse, Galaxy's Edge. Attention, loin de là. Hein. Moi, dans le parc le lycée studio, je vois plus un, un truc en hauteur, un truc qui va, hum, qui va faire un effet waouh, qui va vraiment hum, peut-être faire de la concurrence à la tot d'un point de vue euh, écrasement, d'un point de vue structure en hauteur. Je pense que ça peut un peu équilibrer la, la skyline du parc, tu vois Ouais. Alors que Galaxy's Edge, c'est... Le Après, peu je... que j'ai vu. Je hein, pense qu'il sera, sera un, un peu en retrait. Je sais pas. J'sais pas si ouais, mais quand tu seras dans, dans, dans le Land Frozen, si tu vois la tote au fond et que tu vois Avatar à droite, peut-être que ça fait deux grosses masses sur lesquelles dirige ton regard. Il n'y a pas juste la tote qui mmh, va être le paysage. Mmh, puis il y a un côté verdure naturelle, tu vois. Même si, bon, bah, évidemment que c'est totalement fake, mais c'est comme à Adventureland, tu vois. T'as l'arme mmh. des Robinson qui, mine de rien, il ne serait pas là. Euh, ça se verrait. Aujourd'hui, quand ah. tu le vois, bah, vois, tu le vois, tu le dis, euh, ok, il est joli, mais il a l'air un peu euh, en, train <laughs> en train de décéder. Mais tu le vois. Alors les que s'il euh, sur, euh, sur, euh, si, n'était pas là, ce serait choquant. Et je pense que ça peut être un peu pareil sur, euh, sur Galaxy's euh, Edge. Galaxy's Edge, c'est encore un land urbain. On a le campus Disney qui est un land urbain. Arendelle, ça va être très joli, mais c'est un land urbain. Ouais, c'est ça, tu as de la montagne, mais dans les faits, euh, c'est un village, quoi. Mm -mm. Euh, on a Nautilus qui nous dit pour Avatar, même sur l'extraction, tu as un design incroyable qui fait que le public peut dire il n'y a que Disney qui fait ça, je suis entièrement d'accord. Mais oui, c'est pour le coup ça c'est hyper intéressant, c'est là où tu vois, euh, tu une plus-value énorme sur cette licence. Euh. Et tu as aussi, aussi l'aspect de nuit. L'aspect de nuit. Ouais. Alors je dis pas que Gal Galaxy's Edge, et les retours sont plutôt bons de nuit, tu vois. Enfin j'ai vu des gens dire c'est pas fou, mais la majorité a l'air de dire que c'est quand même très bien foutu et surtout très euh, mm -hmm. diégétique, tu vois. C'est-à-dire qu'on y croit. Mais euh... mais Avatar c'est autre chose tu vois enfin, c'est une claque les gens qui disent Avatar de nuit c'est ma boule non mais j'en ai j'ai rien vu d'Avatar de nuit moi pour le coup non, non mais Max oui t'auras de la verdure avec le lac mais t'auras de la verdure de d'appoint tu vois là je pense que ce sera pas c'est pas pareil entre le jardin des Tuileries où t'as de la verdure et euh, et euh, uh, Adventureland euh, Adventure où tu te perds dans une dans un dans un truc dans un nouvel univers c'est totalement différent T'as de, vend... de, de la verdure là, à Central Club, Plaza de et as de la verdure à Fantasyland, mais euh, c'est pas le cœur ouais. du truc, tu vois. Il y a, vraiment... ah. il y a Sam b 95 130... Sam B qui dit euh, ça serait bien un truc exclusif à Paris. Euh, je pense vraiment, euh, Sam, que c'est bon. La dernière fois, bon. c'était Ratatouille. Et, euh, et la dernière de la fois, après Ratatouille, c'était Flight Force. Est-ce qu'on a Moi, vraiment je envie je... qu'il fasse de l'exclusif je suis pas sûr. Je trouve <laughs> que l'idée de faire de l'exclusif pour avoir de l'exclusif, pour se dire ouais, ça c'est que à Paris, pour moi c'est une mauvaise direction. Pour moi, il faut mais... mieux capitaliser sur la RD des, des ricains ou des, 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 des Japonais ou des Chinois ou n'importe qui d'autre pour avoir un truc top. Et puis l'exclusivité, on s'en fout, je veux dire, euh... ça sert pas à grand chose. Hein. Non, non, c'est un peu. L'exclusivité c'est pas mal, mais c'est un petit peu. Euh... Ça n'a pas une. Pas, en fait, ce n'est pas ce dont on a besoin. Pour l'instant, on a besoin de rééquilibrer le resort pour qu'il ait deux parcs complets. Pour l'instant, on n'a aucun des deux parcs qui est vraiment complet, à mon sens, même si on considère le parc d'existence complet. Admettons, le parc Oasis Union est loin d'être complet et ne sera probablement pas complet avec Arendelle et Avatar. Eux-mêmes le disent. Hein. Oui, tout à fait. Et... Euh... Et, 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 et du coup, derrière, en fait, euh, si tu mets. Vaut, vaut mieux avoir deux nouveautés avec un budget plus limité qu'une grosse mmh. nouveauté exclusive que tu n'es pas sûr de si elle va marcher, il ne pourrait pas y avoir des problèmes techniques et compagnie. De toute façon, la Walt Disney Company a zéro intérêt à faire une exclusivité à DLP. S'ils si, ouais, si font les exclusivités, c'est pour se démarquer de la concurrence. Donc là où il y, y a des parcs Orlando. Il y a des parcs Universal, pardon. Là, ouais. euh, en France, il euh, n'y a pas de concurrence. Je veux dire, euh, en ils n'auraient aucun quoi, intérêt a... à faire une exclusivité. Il y a quoi comme nouveauté À Orlando, tu as eu euh, les gardiens, mais au-delà de ça, euh, je réfléchis, oh, tu vois. Même... Oui, à part les trucs les trucs un peu plus modestes, entre guillemets, mais style le, le walkthrough de, de Vaiana. tout le sur l'eau, sur tout ça, mais c'est parce que c'est Epcot, c'est un peu le, dans l'esprit du parc, tout ça, mais... Et pareil, les gardiens, c'est un peu de la contrainte, c'est parce qu'ils ont pas pu faire l'Avengers Campus, qu'ils font ça, quoi. Mmh. Donc en fait, euh, c'est n'est pas tant une volonté, si tu regardes euh, la plupart de ce qu'ils font, euh, c'est du copier-coller. Quand ils ont fait euh, Mickey euh, Runaway Railway, euh, c'était un remplacement de, euh, du, de, de Great Movie Ride, donc ça reprend le bâtiment, ça reprend les trucs. Ils l'ont quand même déplacé en Californie, enfin copié en Californie, alors que tu aurais pu dire euh, bah non, tu vois, enfin c'est c'est sur non, les ruines d'un ancien règne. Tu... Au moins tu thématises les. Enfin, tu, tu... tu mutualises les coûts, pardon. C'est mieux. Tu... Moi, pour moi, la nouveauté pour enfin, la nouveauté, c'est pas utile. Non, non, tu Et as pour faire un land... Il autant... y a Maxi dit faire un land ultra thématisé sans IP. Euh, ouais, bien sûr. Non. Non. C'est mort. Après, tu vois, il y, y, y a ce qu'ils ont parlé, mais ça, ça me semble peu probable. Il y a ce dont ils ont parlé à la, à la D23, tu vois, pour la, pour les, pour la Floride, avec ce, cette espèce de byon de Frontierland, ou euh, d'Animal Kingdom, avec deux IP réunis, ou de de Frontierland, où tu avais euh, Coco, va, euh, Encanto, et euh, les vilains. Ce qui me semble un peu chelou mmh. comme mélange, d'ailleurs. Les vilains, je, je comprends pas ce qu'ils ont à faire là, en fait. Je trouve ça cool, l'idée d'avoir les vilains, mais voilà. Et euh... Et, et tu vois ça c'est intéressant mais pareil ça demande un, un sacré euh, un sacré investissement un sacré euh, un sacré budget tu vois et tu vois là on est quand même sur l'optique de une des nouveautés d'un plan d'expansion qui est déjà assez énorme malgré tout quoi qu'on dise même si euh, voilà donc je pense que ouais non à mon avis là pour l'instant nous on va être encore en être à des landes des mini landes ou des landes de taille moyenne quoi ouais après si moi ce que j'espère c'est que C'est un vœu, un vœu pur hein. J'espère qu'on va s'enchaîner un petit peu Et qu'il y aura quelque chose après euh, Star Wars Ou euh, Pandora tu vois Parce que là on, tu l'as suffisamment dit hein, euh, C'est pas une vraie extension qu'on a euh, L'extension des Wadis et Studios C'est pas l'extension c'est un investissement normal Dans un parc de cette taille là Ça dépend en fait ça dépend En, en, en nombre d'attractions ouais en, en infrastructure Et en euh, espace Je pense que c'est quand même un peu plus loin que ça il y a des parcs qui s'agrandissent autant, il n'y en a pas tant que ça. Il hein. euh, y, y a Tokyo Disney Sea, tu vois, mais c'est un peu tout. C'est vraiment là, ah, on, va, on va avoir quand même toute une zone qui n'était pas là avant. Mais après, c'est aussi parce que le parc était minuscule, c'est un rattrapage, tu vois. Donc euh, en réalité, euh, c'est surtout insuffisant pour en faire un parc complet, tu vois. Et, et ouais, c'est pas, pas waouh en fait, c'est pas l'investissement massif qu'on nous, euh, qu nous a vendu. Oui, bah tu vois, les nouveautés de... Finalement, tu, p tu peux dire que de 2017 à 2028, il euh, y aura eu euh, 3-4 nouvelles attractions, quoi. Donc, euh, c'est pas beaucoup, en fait. <laughs> Et moi, j'espère que euh, en 2028, ils vont nous dire, bah voilà, on continue à investir, tous les 3 ans, il y aura une nouveauté. Et qu'ils se disent pas, euh, bon, bah c'est bon, vous avez des des, vos, vos nouveautés, maintenant, vous attendez 10 ans pour avoir de nouveaux trucs. Bah, en fait, faudra voir. Effectivement, faudra voir. J'espère. Hein. Et je pense que... À mon avis, on risque de savoir assez vite. Faudra voir France. à quel point déjà ça s'enchaîne Frozen et la suite. Oui. Parce que, mine de rien, on n'a toujours pas de, de vision claire là-dessus. On hein. sait pas 2026, 27, 28. Bah, c'est ce que je disais pendant que tu étais parti. En fait, on n'a même pas de vision claire pour 2023. Oui. Là, 2023, j'ai dit le seul truc qu'on a, c'est le Pixar. show Pixar à la fin de l'année. C'est ça. Euh... Bah, c'est cet été normalement, mais ouais. <laughs> D'un point de vue de licence, je préfère largement avoir un Land Star Wars, fan de la licence et pas aimer les deux films Avatar, mais quand je vois les images et vidéos des lands réalisés ailleurs, je peux difficilement choisir Star Wars ou Avatar, avec un petit point bonus sur Avatar qui n'a rien à DLP pour l'instant. Ouais, c'est ça en fait, c'est que... Euh, mais tu vois, fin, ça, ça empêchera pas derrière de faire un autre Land Star Wars. Mais si là, ils sentent qu'il y a une grosse hype Avatar et que... Euh, ça, ça ferait quand même une dynamique que je trouve un peu plus intéressante d'avoir Frozen, Avatar puis potentiellement Star Wars derrière c'est ça aussi qu'il faut se dire hein. c'est que ça veut pas forcément dire l'un ou l'autre ça peut être les deux avec un décalage et puis soyons fous pourquoi pas un land Star Wars mais à Disneyland, pas au parc studio non ça j'y crois pas tu le mettrais où euh, derrière euh, ah, euh, oui, euh... le Railroad euh, bah, comme le concept art qu'on a vu il y a des années derrière le Railroad à la place de Philhar il euh, y a Max qui dit qu'il faut compter juillet le show Pixar, jamais. Ils ont annoncé fin de l'été, pour moi c'est fin août, début septembre. Ils ont annoncé été. Ah, ok. Ça dit quand ils disent début de l'été, c'est juillet, donc... <laughs> on verra, je pense qu'il ne faut pas compter, hein, on les connaît. Hein. Non, il faut, faut attendre pire. Hein. qu'est-ce que tu dis Valère de ne pas passer maintenant au main thème Ouais, je suis d'accord. Euh, Au-delà de ça, tiens, je voulais faire un, un petit point rapide là-dessus, parce qu'on avait dit de le faire euh, il y a quelques semaines, mais on l'avait pas fait. Euh, je voulais parler des stats euh, du label et la bête et de, des podcasts très 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 vite. Hein. Et je voulais vous remercier beaucoup pour, euh, pour votre soutien à tous, parce que euh, les... les résultats cette année ont été incroyables, euh, tant sur Rien que, Pensez, que sur Flanc, que sur la euh, Disney's Music Box qui s'est lancée en, en podcast. Et euh, vraiment, euh, vraiment, on est hyper contents. Euh... Pour tout vous dire, hein, on vous donne rarement des valeurs, euh, des valeurs euh, absolues, on vous donne généralement plutôt des, des pourcentages. Mais euh, là, en fait, cette année, euh, on va dépasser euh, sur les podcasts. Il y a aussi euh, Secret Disney, bien sûr, et Musicland hein, qui, qui sortira quelque chose dimanche en plus. Euh, C'est la fête. Et euh, donc, euh, sur les podcasts, euh, cette année, on sera à un taux d'écoute de plus de 200 000. Donc, euh, ça, 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 peut sembler, euh, ça peut sembler pas si énorme, mais je vous promets, c'est fat. Hein. C'est très, très fat. Quand énorme. vous regardez à des labels un peu plus euh, un peu plus, euh, plus généralistes, euh, je pense à. Euh, euh, non, je vais pas dire parce que c'est bizarre. <laughs> euh, euh, et on fait vraiment bien mieux que certains labels qui peuvent avoir parfois 10 ou 15 émissions. Donc euh... Non mais c'est vraiment je... vraiment GG à vous. Non, bah, merci à toi, mais euh, merci à tout le monde de nous écouter, c'est vraiment super. Euh, voilà. Je sais qu'on peut avoir l'impression comme ça, vu qu'on n'est pas, euh, pas au taquet sur les réseaux sociaux, enfin on, en, on y est un petit peu, mais on n'y est pas taqué, on... on peut avoir l'impression que rien que d'y penser et flanc, c'est pas si énorme, mais je vous promets qu'en termes de podcast, c'est vraiment très 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 solide. Voilà. Et merci à tous donc pour votre fidélité, et on espère euh, avoir plein de trucs à vous proposer encore en 2023. Euh, Croyez-moi, il euh, y aura du lourd. Et on espère vous aider à passer des bons moments. Donc, euh, voilà, est-ce que tu dirais de, sinon de passer sur le vif du sujet Je suis entièrement d'accord. Excuse-moi, je suis en train de manger <laughs> mes <laughs> Peut-être fait exprès. <laughs> tu m'as vraiment crée dépourvu. Alors, le gros sujet euh, d'entrée, j'ai envie de dire, même si on est plutôt sur le, le plat principal, c'est euh, les films de Noël. On est en plein dans la période, tu as rien Ouais. Et les films de Noël, c'est quelque chose d'important. C'est quoi un Noël sans film de Noël eh ben, c'est un Noël raté, mais euh, la question Exactement. que j'ai c'est qu'est-ce qu'un film de Noël et qu'est-ce qu'un bon film de Noël et enfin qu'est-ce qu'un mauvais film de Noël et pourquoi un mauvais film de Noël c'est les trois quarts des films de Noël. Exactement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On ne s'est même pas concerté, mais je pense qu'on est raccord. Pour moi, un film de Noël, il est de Noël parce qu'il y a une ambiance. Ouais. Tu vois, tu vois le le, le coton. Pour moi, un film de Noël c'est du coton. Tu t'assois dedans et es enveloppé par une sorte de douceur, euh, tu peux te détendre. Il y a une ambiance feel good. Ouais. Et il n'y a pas de film de Noël sans cette ambiance feel good. Quand tu sors du film, à la fin, tu te dis, bah, c'est bon. C'est vraiment Noël, c'est vraiment un moment où j'ai ressenti du bien-être en regardant ce film. Tu sais ce que j'ai découvert, je voulais me mettre euh, le Noël de Mickey euh, là. Et en fait, je me suis trompé, j'ai mis euh, Mickey, il était une fois Noël que je n'avais jamais vu. Et, bah. et qui en fait trois euh, courts-métrages, pour le coup. Le Noël de Mickey, c'est une relecture du Noël de Scrooge, donc du Noël de Dickens. Donc euh, tout ça, quoi. Ah oui, je, je, je connais, je connais. Il ouais. y a un très bon plan là-dessus, euh, n'hésitez pas à l'écouter. Avec les fantômes du passé, du présent, du futur, tout ça. Le, le Noël de Mickey, vraiment un super truc, en, en, un court métrage d'une demi-heure. Euh, je vous incite à l'écouter, à le regarder, pardon. C'est vraiment, vraiment super cool, ça passe hyper bien. Et, euh, et, et du coup, en fait, je suis tombé sur ça. Il était une fois Noël, machin. Euh... C'est pas, pas la folie, tu vois, mais t'as trois courts-métrages. T'en as un avec Riri, Fifi, Loulou qui souhaite que Noël se répète à vitam mais évidemment ça arrive. Euh, et c'est chiant. Boucle temporelle, tout ça, c'est pas mal. C'est sympa, tu vois. Euh, t'as euh, euh, Dingo et Max où euh, Max ne croit pas au Père Noël et Dingo essaye de le convaincre. Et voilà, on mmh. ne me dit pas ce qui se passe. Et euh, t'as et le dernier où c'est Mickey et Minnie qui essayent de se faire des cadeaux de Noël, mais ils n'ont pas une thune. Euh, et, ils se font, euh, et ils se font avoir toute la journée. Et à la fin, okay. bah, ils se font des cadeaux, mais du coup, c'est un peu pété. Je ne spoil pas. Et euh, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais, mais, mais tu vois, fin, et, et pour moi, c'est ce genre de truc qui. Je pense, en fait, que les films de Noël. Et quand je dis films de Noël ici, c'est tout ce qui est rom-com à la con. Ouais. Avec un. Euh, Tout oh ce la qui la passe la sur TF1 euh... et sur M6 à 20h. Euh... Pas qu'à 20h. <laughs> pas qu'à 20h. Mais ouais, en fait, tous les. Euh, oh là là, euh, je vais rentrer dans ma campagne, je suis une femme euh, euh, d'affaires, et puis oh là là, j'ai oublié euh, les valeurs traditionnelles de ma famille, et machin. Euh, voilà, donc c'est des gros trucs de droitos faits par des Américains qui kiffent la tradition, machin. Y a pas de souci, on peut et... kiffer la tradition. Mais euh, c'est toujours pareil. Y'en a marre. Et si tu veux juste ce cocon-là, ce, cette ambiance-là, ce mood-là, regardez des courts-métrages. C'est une bien meilleure idée, je pense. Et euh, je pense oui. que notamment tout ce qui est cartoon euh, Disney, ça peut être bien, mais euh, t'en as plein comme ça qui sont euh, trop cool. Voilà. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, mon film de Noël préféré, c'est pas un film, c'est un court-métrage. C'est le court-métrage Frozen, Joyeux Soit avec Olaf. Mmh, tout à fait. Je, je pense que ça, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'est un truc de Noël. Il est génial, ouais. Il euh, y a des chansons. Et j'imagine assez mal un truc de nouvelle sans chanson ou sans ambiance musicale. Et rappelle à toute fin utile qu'il y a des chansons, mais il n'y a pas que la chanson qui passait avant les shows au Parc Walt Disney Studios, Qui, sortie de son contexte, est un peu pénible. Tu parles de celle d'Olaf Ouais. Ouais, non, non, elle n'est pas ouf. Non, Mais après, quand tu es dans le contexte, ça passe. Mais quand tu es hors contexte, c'est. Là, euh, là c'était vraiment, bi vraiment bien en fait, et c'est surtout qu'il y a d'autres chansons à côté. Euh, t'as Christophe qui a sa chanson, t'as une chanson qui est un peu plus Anna, et une chanson qui est un peu plus Elsa, même si en vrai, euh, les deux chantent. Et les deux sont super en fait. Mmh, je suis Salut D'ailleurs, Ophélie, ça me fait penser, on l'a pas regardé, regardé c'est la Noël. Est quoi bah, le... Il était une fois Noël. Ouais, est vrai. Euh, non, pardon, c'est est le no Noël de on le met demain soir. Le Noël de Mickey. Le Noël de le Noël de... Non 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 le truc avec Olaf, la joyeux fêtes avec Olaf. Ah. On se remet demain soir Donc je viens de conseiller Après... le Noël de Mickey, il s'en bat la race. Voilà. Il y a le Noël de Mickey dit Curia et. Non mais c'est vraiment le... bien pour le coup, je vous promets. Elle a dit elle s'en bat les couilles. D'accord. <laughs> <laughs> non mais je suis d'accord avec toi, un film de Noël se passe pas forcément. Un bon film de Noël se passe pas forcément à Noël. Il y a, y a Myriam qui nous parle de La Belle et la Bête 2 et effectivement c'est un film de Noël qui revient régulièrement. Je ne l'ai pas vu, voilà, je ne vais pas mentir. Toutefois, déjà le premier était dans cette et liste. Tu as, tu as mis cette, le premier dans cette liste. Euh, Pour moi, euh, La Belle et la Bête 1, donc l'original, celui qui, est, qui a été créé le même jour que La Saison et la Bête, on le rappelle, est euh, le meilleur Disney de Noël. Il ne se, se passe pas à Noël, il n'y a aucune référence à Noël dans le film, mais il euh, y, euh, y a une ambiance de Noël. Je ne sais pas pourquoi, il y a un côté feel-good, il y a de la musique, il y a des chansons, il y, des... y a un truc qui fait Noël. Non, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Si, je suis ouais. d'accord. Je suis d'accord, tu as le côté un peu enneigé, le côté très cosy, en fait. C'est ça aussi mmh. Noël, c'est le côté intérieur, le côté un peu... Euh elle est littéralement enfermée. Il y a beaucoup de scènes qui se passent en intérieur, dans des tavernes, tout est chauffé un peu, dans des lumières incandescentes et machin. et du coup, t'as un côté très cosy qui ressort du film. Je suis d'accord. Il y a Notif qui J'ai regardé le Muppet Christmas Carol que j'avais pas vu depuis une éternité. » C'est formidable, mais en même temps, triste car on réalise qu'ils ne font plus de films comme ça et ne prennent pas les enfants pour des cons. Ça fait un peu peur, etc. Euh... Bah, c'est vrai que de, 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 récemment, j'ai pas vu de bons films de Noël qui ne prend pas les gens pour des cons. Quoi. Bah, le truc c'est que les films de Noël c'est compliqué. Euh, sur Disney euh, j'ai pu voir, il euh, y en a deux, je crois. Il y a Noël au, au féminin et il y a euh... Euh, Marraine d'un soir, ou je sais plus quoi. Euh... Ouais, mais ça donne pas envie. Je l'ai vu, mais. Hein. C'est bah, un film de Noël, quoi. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon, quoi. Ouais. Est-ce qu'on évacuerait pas maintenant le film de Noël le plus surcoté Ouais, je propose, mais très vite, je... hein, parce que sinon. Euh, je dis pas, voilà. pas qu'il est pas bien, juste qu'il est surcoté, maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Allez, ça c'est fait, au revoir. Ouais, c'est pas bon, hein. Bah, les gens remake, bon. On les vu le remake, on dira le remake, il est pas bien. Mais euh, déjà le film de, mal, mais de base, que le remake ouf. il est pas bien parce que. <laughs> un peu de mauvaise foi ici. Hein. <laughs> ouais, je suis vraiment pas fan de, de, de Maman J'ai c'est bon. En fait, j'ai trop, trop vu moi. Ces genres de films, je les ai vus et ça me rend un peu. Pfff. Ça me fatigue. Moi, je l'ai pas, pas vu quand j'étais petit, je suis passé à côté. On se l'est mis avec Valaret un jour, on se dit ouais, c'est sympatoche, mais, euh... mais ça va pas mal plus loin. Deuxième film évident, le Die C'est le film de Noël, je pense. Le film d'action de Noël. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que ça, il est dans toutes les listes euh, possibles et imaginales, donc on va pas en parler. Euh, Regardez Hard c'est du Bruce Willis, c'est vraiment bien. Ça fait. Et par contre, un vrai bon film de Noël, c'est celui sur lequel vous avez, vous avez fait un super flanc à l'époque. Ouais, tu as parlé de Klaus. Pro... Alors, ouais, c'est pas une production Netflix, je sais plus. Non, euh... c'était euh, comme beaucoup de choses avec Netflix, c'est que ça a été produit par d'autres et racheté euh, par Netflix à la fin euh, pour les droits de distribution. Et ouais, ouais, c'est plutôt chouette. Hein, c'est c'est un bon film de Noël, euh, vraiment très joli avec une patte artistique euh, très travaillée. Il me semble que d'ailleurs leur... Netflix devait bosser avec le studio sur leur suite et il me semble que ça a été annulé euh, très récemment. Un peu triste, mais euh, comme d'hab avec Netflix. Hein. Et euh, comment? Donc ouais, c'est non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien Klaus, faut pas hésiter à voir. Si vous avez des enfants, des frères et sœurs, enfin des, des gens En des... vrai, même en tant qu'adulte, je trouve c'est très beau. C'est oh, oh. oui, il y a un côté artistique qui est très 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 réussi en fait et qui du coup euh, peut faire passer euh, tout le côté euh, un peu plus euh, nié fin de Noël euh, à côté et t'as aussi euh, as aussi euh, d'autres trucs un peu plus profonds d'habitude. Donc c'est pas mal, vraiment, c'est chouette. Non, vraiment, regardez-le, c'est exceptionnel. Euh, ça cite le Grinch, euh, je sais pas. J'ai pas vu. J'ai pas vu le Grinch non plus. Je, je connais vite fait l'histoire, mais... Euh, c'est sur pas... côté. Ouais, ouais j'imagine. T'avais euh... parlé de Gremlins aussi euh, Comment De Gremlins Les Gremlins, ouais, c'est cool Gremlins quand même, non euh, Bah alors, genre, le film de Qui voir, se hein. passe à Noël, mais est-ce que c'est vraiment un film de Noël, tu vois T'as ça as, euh, le, 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 le Père Noël est une ordure Ouais. Tu vois, qui bah, sont pour moi, ça, c'est des films de Noël. Mais le Père Noël est une ordure, c'est une comédie trash de Noël. Et les Grinch, c'est un film d'horreur de Noël. Tu sais qu'il y a un remake euh, américain de... du Père Noël est une ordure Pardon Ce qui existe. Et euh, c'est par la... une réalisatrice qui a fait pas mal de trucs un peu cool, en fait. Et euh, je sais plus, il y a une chaîne YouTube. Ça s'appelle Mixed Nuts, je crois et euh, le, le oh la, la, vache. la réalisatrice a fait pas mal de trucs assez cool, mais <laughs> apparemment c'est vraiment pas bon. Ça part d'un bon euh, délire en essayant de reprendre les personnages. T'as euh... attends, qu'est-ce qu'il t'a qui joue dedans Euh... Merde. Je suis partagé <laughs> par l'envie de le regarder et de pas le regarder. T'as au moins une personne <laughs> qui. Alors j'ai vu un, un youtuber qui a fait une vidéo assez cool dessus euh, cette semaine. Pendant que tu retrouves, euh, le chat dit y a miracle sur la 34e euh, rue. Euh, je l'avais en cassette quand j'étais petit, j'ai dû le voir une fois, ça m'avait saoulé. Je suis pas euh, pas très fan. Euh, The Holiday, meilleur film ever, dit Max. Je connais pas. Marie Poppins, c'est un film de Noël. Ah ouais. Ah je c'est car qui nous dit ça. Ah j'ai jamais vu comme ça, c'est intéressant. Non, l'idée est bonne, je l'ai effectivement pas vu comme mmh. ça. Ben c'est vrai que quand on y pense euh, as, Ça peut passer comme une noël t as, t as, t as, dans, dans, le, dans le remake américain De de, de Mixed Nuts donc, euh, donc le Père Noël est une ordure Tu as, euh, <laughs> as Steve Martin What Et t'as euh, Adam Sandler Pardon <rire> <rire> Voilà qui, euh, Steve Martin incroyable. joue Philippe Donc euh, Pierre Donc le, le, le héros de Père Noël est une ordure Voilà donc je vous laisse, ouais, je alors... vous laisse avec ça. Bouge de, bouge de la... Et okay, Adam Sandler le... il, joue, euh, il joue Louis, qui est, je crois, l'équivalent de euh, du polonais. C'est qui est pas Ah polonais. oui oui, je vois Je euh, euh, <laughs> sais plus le nom exact. <laughs> c'est <laughs> un, un film bien. problématique, donc on va pas. Aller. En fait, c'est un <laughs> voilà. film. Voilà. Bon, il est drôle, mais tu vois qu'il a été fait à une époque où. Euh... Mais... Ça pique un peu, Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, pourquoi c'est un bon film, Le Père Noël est une ordure Parce que, par exemple, ça se moque des pauvres, mais ça se moque aussi des riches. Par ouais, contre, ouais, ça se moque des étrangers, mais ça se moque pas des... Hein Et ça se <laughs> moque des étrangers, mais ça se moque pas des... Des traditions, par exemple, le bien françaises. C'est... Après... Euh, pour moi, c'est comme Les Bronzés, c'est un film problématique. Ah, c'est la même époque. Hein. qui est ancré dans son époque, tu vois euh... Il, comme sur il mériterait d'être projeté avec un carton avant un peu comme Aladdin, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Ophélie il y a un carton qui dit ce euh, film est des orientations d'une époque et euh, pour moi euh, c'est vrai que ça serait, ça serait pas, pas mal putain j'ai enfin ici à ouvrir cette bouteille euh, dans la liste il y a Val Alors, pour la petite histoire j'ai appelé Valarette tout à l'heure parce que vraiment j'ai des paninis panini ce soir hein, et il nous fallait des, des, des pains et elle dit moi mon film de Noël c'est Mon beau-père et moi alors d'abord, curieusement, on a cru que c'était un film euh, voilà. interdit au moins de 18 ans. <laughs> Apparemment pas du tout, c'est un vrai truc. Euh, J'ai jamais vu. Je euh, suis en train de regarder le, le, le synopsis et je me rends compte que ma soeur m'en a parlé des dizaines de fois. Euh, c'est Ben Stiller qui est accepté par euh, sa belle famille. Donc Robert De Niro... Et euh, Lit Denner, je connais pas. Tout va bien. Et sa fiancée, c'est Terry Polo. Et du coup, apparemment, euh, il se rend compte que son. Ah si, on a commencé à le voir, Ophélie Ah oui, son, son beau-père, c'est un ex-agent de la CIA. Et il va tout mettre en place pour l'espionner. Le, pour le, pour et il va y avoir des, des trucs hyper malaisants. Euh, du coup, avec Ophélie, on a regardé 15 minutes. Et comme je suis hyper réceptif au malaise, on a coupé. D'accord. C'est pas un film de Noël, ça C'est hyper malaisant Bon, euh, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Parce que moi, je connais pas et je m'en fous. Voilà, je vais être honnête. On de merde, ma copine. Hein. Et de la bise à euh, On a l'étrange Noël de de, de de Trouduc. Ouais. Euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film d'Halloween ou un film de Noël L'éternel débat. Euh, Est-ce que je peux dire que c'est un film de merde ou pas Oh non, 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 je te laisserai pas dire ça. D'accord. Je dis pas. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas au film et moi-même, je suis pas. Je suis un peu mitigé dessus, tu vois. Il y a des trucs que j'adore dedans et il y a mmh. des trucs que j'aime pas. Moi j'aime oui. bien la musique et tout. Ouais, mais tu vois, il y a ah, il tu beau. Les aussi. Musiques, il, y a, il y a les espèces de petites merdes qui chantent. Ça, ça m'énerve, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Oogie Boogie qui sert à rien, ça m'énerve. Voilà, désolé. Désolé à tous les fans Disney. Euh, mais euh, alors que, en revanche, tu vois, le, euh, la, la sérénade de Jack et Sally, tout ça, ça c'est cool. C'est très bien. Mais pour euh... moi, j'ai pas cet effet réconfortant. Toi, quand je le regarde, je suis pas d'une sorte de cocon, j'ai pas mon effet un peu cotonneux où je... où je suis bien, donc moi, pour moi, il est disqualifié de... des, des finonnels. Bon, ouais, bon. ok. Je peux comprendre. Mais c'est difficile, hein c'est difficile. Après, euh, voilà, évidemment, il fallait le, il fallait le mentionner. Euh. Toi tu voulais parler de... Moi je vois Fanny qui parle de Les Lutins d'élite, qui est une série apparemment, je ne connais pas. Euh, mais en série de Noël, il y a eu la suite de Super Noël. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'est Super Noël. Un des films Noël un peu à la con euh, culte. Avec le, le Père Noël qui se pète la gueule d'un toit de maison à la base. Il hein. y a eu deux suites. Euh, Hyper Noël et je sais plus quoi. Et, euh, et donc là ils refont une série Super Noël sur Disney, en originals. Je trouve ça un peu audacieux. Euh, J'ai regardé un peu le premier épisode par curiosité. Pourquoi pas, après. Euh, c'est des épisodes d'une trentaine de minutes, il y en a six je crois. Je... C'est pas mauvais, mais c'est. Ok. Non, je... je connais pas du tout. Euh, dans la série film français que j'ai beaucoup aimé, il y a mon père qui m'a forcé à vous. Enfin, forcé. Il a, il a mis un film de Noël qui s'appelle Santa et compagnie, euh, d'Alain Chabat. C'est récent, je crois. C'était vachement bien. C'est vachement bien. Je suis pas très film de Noël, hein, pour le coup. Euh, pas, pas très film français euh, de Noël, pour le coup, et pas très film français tout court. C'est vraiment marrant. C'est les 92 000 lutins du Père Noël qui tombent malades. Et Alain Chabat, il va descendre sur Terre euh, pour leur ramener la vitamine C. Parce qu'il y a que ça qui peut les guérir. Et euh, vraiment, c'est très marrant. C'est familial. Il y a plein de blagues. Il y a plusieurs degrés d'humour. Enfin, c'est du Shabbat, quoi. Ouais. Il, il, il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. De mieux. Il joue le Père Noël, il joue le rôle du Père Noël. Et euh, ouais, vraiment, vraiment, il faut regarder ça. Okay. C'est un bon petit film. Il est dispo quelque part, tu sais. Bah... Tu me laisses 30 secondes pour just switcher ça. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Pendant bon, ce temps-là, moi je vais euh, parler de euh, un film que tu as eu l'idée de mettre et qui est, je pense, une très bonne idée. Ouais. et euh, je vais... Non, je vais plutôt parler de son cousin. Je vais parler de son cousin, en fait, parce qu'il y a des gens... On peut assimiler des films à, à des périodes. Tu vois, par exemple, on a parlé tout à l'heure du court-métrage de Frozen. Mm -hmm. Mais t'as beaucoup de gens qui te diraient que Frozen, c'est quand même avant tout un une licence de Noël. Parce qu'il y a de la neige, il y a tout ça, et donc tu as envie de ouais. regarder ça à Noël. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, tu as ce truc où dans euh, toutes les œuvres Frozen, à part la dernière, euh, sont assimilées à une saison. Normalement. Oui. Je peux me tromper, mais tu as, euh, as Frozen classique qui est euh, en été. Tu as, puisque ça se passe en juillet, le premier, euh, La Reine des Neiges, euh, c'est tu as le Frozen 2 qui se passe en automne, tu as Joyeuse Fête avec Olaf dont on a parlé, qui se passe en hiver, ah et as la fête givrée. Alors, le problème de la fête givrée, c'est que c'est un peu flou. Il se passe au printemps, je crois, hein, vu qu'elle a printemps. En, en fait, il se passe techniquement, il se passe euh, quelques jours avant ou après le premier. Donc, normalement, ça devrait être la même saison. Mais sauf qu'il y a de l'esbrouffe. Mmh. Et que c'est pas hyper clair de si c'est deux jours après ou si c'est un an et deux jours après. Parce qu'en gros, on apprend que l'anniversaire de Anna est très très proche de l'événement Frozen 1. Est-ce que c'est juin mm -hmm. enfin c est, c est, c est, Du coup, ça semble être pas hyper, euh, hyper euh, cohérent, en fait. Euh, oui. Voilà. J'ai vu des fans, notamment sur Reddit, qui, qui s'écharpaient là-dessus et... Euh... Euh, petit point euh, VOD, euh, le Santa et compagnie n'est disponible nulle part gratuitement. 1,99€ sur Amazon pour le louer, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Ok. 1,99€, ça va. Oui, c'est un bon film, vraiment, c'est une bonne valeur sûre, c'est du okay. Shabbat. Foncez. Ok, bah qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Oui, donc euh, ce que je disais, moi... Donc euh, ouais, euh, les films de Noël, les films de Noël, euh, Les films pardon, qui sont sortis vers Noël, euh, t'as euh, beaucoup de choses en fait. Alors, tu vois, bizarrement, les Star Wars se sortent beaucoup sorti à Noël, genre la, la post-logie. Pourtant, mmh. je peux me tromper, mais ça me semble pas du tout assimilé à Noël. Non, mais je pense qu'il va le surfer sur le fait, on va voir un film en famille après. Oui, e euh... bien sûr. Mais non, clairement, c'est pas du tout du. Noël. Gros de d'année. Mais tu vois, je trouve qu'il y a, y a des films qui ressortent plus à Noël. Ouais. As le Seigneur mmh. des Anneaux, par exemple. As pas ah, mal J'ai bah, bah, gens... vu pas mal de non. gens dire que le Seigneur des Anneaux, ils considéraient qu'ils regardaient ça un peu à Noël parce qu'ils l'ont vu. À l'époque à Noël, qui l'assimile à cette époque-là et que tu ce côté mmh. un peu euh, magique peut-être que tu recherches à Noël Moi je suis plutôt Tim euh, O'Connor qui nous avait dit une fois qu'elle trouvait que c'était des films d'automne de, ou de printemps. Je suis assez d'accord. Pour moi c'est un film d'été le Pour la bonne raison que je peux me faire des marathons et que j'ai pas besoin de me coucher tôt pour aller en classe. Mais c'est vraiment, euh... <laughs> vraiment spécifique. C'est vraiment spécifique. Euh, on nous parle de Pôle Express, j'ai vu dans le chat, euh, c'est non. Hein, Pôle Express, c'est vraiment pas possible. Euh, ouais, euh, Harry Potter, on, on l'avait noté. Mais, mais du coup, le, 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 le fameux cousin du Seigneur des Anneaux. Narnia. Voilà. Bien sûr. Non, Narnia, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est un film de Noël. Il se passe à Noël, il y a une ambiance de Noël. On voit le Père Noël. Ouais, de c'est bon. des enfants-héros. Donc, euh, ça fait toujours un peu Noël aussi. Ouais, et le 1 est vraiment bien, pour le coup. Euh... C'est un des rares trucs où je dis, où je vais dire regardez le film plutôt que lire le bouquin. Ah le ouais film est très bien réussi. Ouais, les, les films sont, les livres sont bien, mais moi m'avait dit que c'était plus simple à lire quand même du euh, du Lewis que du Tolkien. Alors oui, est-ce que tu aimes la, la morale judéo-chrétienne Oui, il y, y a ce problème effectivement. Il <laughs> y a ce problème là que je que je suis pas fan. <laughs> mais oui, oui Narnia, Narnia c'est bien. Hein. Regardez Narnia à Noël. Euh vraiment un... en plus, c'est vraiment plein de plein de bons sentiments, plein de, de bons feelings, comme on dit. C'est mignon. Euh, ouais. En plus, la, sor... la, la sorcière blanche, elle est, elle fait pas peur. Elle aime bien. Elle, elle a un bon rôle de méchante de Noël. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le seul problème, il me donne envie de manger des loukoums. <laughs> c'est vrai. Parce vrai que l'autre villes là qui sont le loukoums, gamin là. et des loukoums. Oh putain. Et du coup ouais, donc euh, Fanny parlait d'Harry Potter On l'avait noté euh, Harry Potter ouais. c'est intéressant euh, T'as un côté très euh, John Williams c'est Noël John euh, Williams alors... c'est euh... Mais de toute façon je la moitié des de... hein. les, les musiques d'Harry Potter <laughs> Rappellent pas mal celles de De Maman j'ai raté l'avion mm, mm, mm. Ah c'est John Williams aussi Maman j'ai raté l'avion Je crois, hein. peut-être de la merde okay. mais... Je, je l'ai vu qu'une fois donc j'ai pas... pas ça en tête alors, Max nous insultera si on se trompe mais euh, mais ouais ouais non si 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 carrément euh, Harry Potter en fait c'est le côté magie je pense et je me demande s'il n'y a pas ce côté aussi euh, euh, ce que je ce que je disais sur la belle et la bête tu sais côté un peu cosy le côté euh, on est dans un euh, on est dans un euh, dans un espèce de d'intérieur très vieux très euh, c'est bien John Williams maintenant j'ai raté l'avion c'est un intérieur très cosy mais euh, avec des vieux bâtiments, quelque chose comme ça qui rappelle un peu, ça fait un peu tradition. T'as la magie, t'as tout ça. Et je pense que l'ensemble et surtout les, le premier, le premier a un côté, euh, le premier est un conte. Le premier Harry Potter oui. est un conte. D'ailleurs, je pense que le premier est peut-être le meilleur. Ouais, il a un peu concombre, mais au moins, euh, mais c'est pas grave parce que tu peux assumer que c'est un truc pour gosse Ouais. Alors qu'après, ça reste concombre, mais ça ne veut plus pour gosse une fois que tu avances dans les fait... films, tu la cohérence de l'univers se pète la gueule. Et ce qu'on pouvait accéder dans le premier, est-ce que c'était un conte, un conte c'est par, euh, par définition irréel, euh, ça passe. Je veux dire, le fait que tu rentres un lundi 1er septembre, bah, on s'en fout, c'est un conte. Oui, c'est pas grave, ou même tu vois, le, le fait que les profs aient fait des examens qui sont quand même passables par des gamins de 12 ans. Oui, c'est un conte. pas compte, très grave, c'est un conte. Mais par contre, plus t'avances et plus euh, l'autre euh, Autrice, là, elle veut faire tenir son univers, moins ça va. Plus, euh, plus il speck la gueule tous les côtés. Je suis d'accord. Bref, pas envie de donner plus de ton antenne à, <laughs> à Harry Potter. Bon, si, à moi, oui. Euh, Qu'est-ce que... Quoi d'autre Est-ce que, euh, est que tu veux qu'on enchaîne tout de suite sur les films qu'on veut regarder à Noël ou est-ce qu'on parle de parc Moi, bon, tu peux donner ton film que tu veux regarder à Noël, toi. En fait, moi, à Noël, j'ai envie de... Il y a un côté, tu vois, euh, c'est Goodcar qui disait à Noël, c'est le moment où les cinémas le font le plus d'entrées. C'est vrai, il y a Noël et l'été. Et en fait, c'est parce que c'est ces moments-là où bah, il fait froid dehors ou il fait chaud dehors. Et du coup, tu vas vouloir rester un peu cloîtré chez toi pour euh, pas trop cramer ou pas trop euh, te les geler. Et euh, bah, en fait, c'est là où, mon, du coup, c'est le moment en fait, pour regarder pour moi des. C'est un peu ce moment-là où j'ai envie de regarder des blockbusters, où j'ai envie de regarder des, des trucs qui me font voyager, où j'ai envie. Tu sais, des blockbusters intelligents, tu vois. Je ne suis pas ouais. blockbuster, je ne vais pas regarder les Fast and Furious ou les, euh, ou les Transformers, tu vois. Par contre, effectivement, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que j'ai regardé Avatar hier, j'ai pris mon pied devant et. Euh... Oui, je, je, ça ne me choque pas de le regarder à Noël, tu vois. Le premier, hein, je parle. Donc. Euh... Et. Je suis d'accord. Et donc moi je suis pas d'accord en fait... avec les gens qui disent qu'Avatar c'est juste Pocahontas. Je trouve que c'est extrêmement réducteur. Et, euh... Et surtout en fait en soi euh... j'ai envie de dire que 90% des films, voire plus, ont des structures totalement éculées. Regardez, on, ouais. a pas... on vient de parler de, Noël... de films de Noël pendant une demi-heure, la... la moitié ont le même scénario. Et mm -hmm. bah, en fait l'intérêt d'Avatar c'est pas... pas tant dans son pitch. Qui effectivement est très similaire à Pocantas ou quoi, c'est tout le reste en fait. C'est ce que tu vas créer autour, c'est toute la morale autour de la colonisation et de tout ça qui est intéressante. Et je sais qu'il y a des gens, j'ai vu, euh, vu des gens parler du côté un peu euh, sauveur blanc dans Avatar, et je trouve ça intéressant, mais je suis pas d'accord. Et euh, pas donc, le héros d'Avatar, c'est un handicapé, un vétéran. Euh, donc on sait, euh, aux US, les vétérans sont, ont tendance à être un peu à la fois estimés et oubliés par la société. Mmh. T'as beaucoup d'associations pour aider les vétérans, machin, à se, re, à se remettre un peu dans le truc. Et, euh, et, et donc il se retrouve un petit peu comme ça, euh, à euh, remplacer son frère pour devenir euh, entrer dans le projet Avatar, machin. Donc il il se retrouve dans la planète Pandora et il prend contrôle d'un avatar donc une espèce de truc qui était créé pour ressembler aux navis euh, les machins bleus et euh, pour les, essayer de les connaître quoi et en fait il va se retrouver manipulé pour être à la fois ça lui, il est plutôt dans la branche scientifique normalement, mais il va se faire un peu reprendre par les militaires qui, eux, veulent juste <laughs> défoncer les navires pour récupérer le gisement euh, en dessous. Et donc ça, effectivement, j'entends bien qu'il y, y a un côté un peu pocahontas, parce que évidemment, voilà, l'or, machin, essaie de tromper les Indiens pour... Euh, les Indiens, pour euh, tromper... Euh, pour essayer de, 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 de choper de la thune, quoi. Mais euh, là où le film évolue, c'est qu'en en fait, tu découvres toute cette culture. Ce, que, ce qui n'y arrive jamais hein, dans Pocahontas, qui est un film qui chie oui. allègrement sur toute la culture autochtone américaine. Et, euh... et sur l'histoire aussi. Bon, a... Oui, totalement. Pas qu'un peu. Et, euh, et, et en fait, là, sur Avatar, ce, que, ce, ce qui est bien, c'est que tu vas voir un univers qui va se créer avec plein de trucs un peu originaux. Tout ce côté, euh... tout ce côté où les, les plantes ont un esprit, machin. Je ne vais pas en dire trop parce qu'après, c'est peut-être un peu du spoil, mais font la plupart des gens ouais, le mais... Voilà. Mais quand même. Euh... Et ça devient hyper intéressant en fait. Au-delà du visuel qui est exceptionnel et qui est une création assez dingue en fait. Je pense que en termes d'univers univers créé au cinéma, je peux me tromper, mais on est sur probablement en termes d'ambition, on est sur je pense qu'il y a de plus fat depuis Star Wars en fait. Je suis entièrement d'accord. Et, ouais. et ce qui est cool, c'est de se dire que bah, aujourd'hui, c'est quand même un des rares projets qui est euh, tenu par euh, un créatif. Ouais. Du début à la fin, c'est un créatif qui décide, qui décide de faire 27 films s'il a envie. Et les studios le laissent assez faire parce que le gars, il a tellement une street cred de maboule qu'il n'y a que lui en fait qui peut faire ça. Je pense que peut-être Nolan, tu vois. C'est compliqué quand même. Il n'y a pas grand monde qui peut arriver et dire. Voilà. Mais, mais, mais ouais c'est quelque chose je trouve que c'est quelque chose dans lequel il faut laisser sa chance il faut un peu s'ouvrir et se dire bah c'est pas grave si le scénario il est un peu simple et euh, je comprends que le film est un peu long aussi mais euh, bon pour moi c'est enfin j'ai je, je, vraiment pris une un, un, beaucoup de plaisir devant et notamment euh, toute la partie nocturne tout ça mon, mon regret c'est quand même que sur disney plus actuellement euh, et sur les autres plateformes parce que je me suis dit tu sais en voyant ça euh, bref euh, mon regret c'est que c'est a priori l'ancien master qui est disponible donc tu n'as pas encore euh, toute la colorisation qui a été revue pour le cinéma là, ces derniers mois, ou euh, les, euh, les technologies plus modernes, style Dolby, euh, Dolby Vision, Dolby Atmos, machin. Donc c'est un peu frustrant de te dire que c'est un film quand même qui, qui est très impactant sur le plan visuel, mais qui n'a pas été mis à jour pour, euh, pour prendre ces formats-là qui sont, permettent quand même plus de... Plus de personnalité sur le plan visuel et plus de d'impact. Je pense que les scènes de nuit en Dolby Vision seraient bien meilleures que actuellement, même si elles sont très belles. Hein. Et, euh, non mais je et en fait, là, c'est un peu frustrant de se dire ça. Et, et donc ouais, moi je, je, je me suis dit peut-être sur Apple TV parce que généralement Apple TV, tu vois quoi qu'on dise, euh, pour tout ce qui est location, c'est là où tu trouves les meilleures qualités d'image, les meilleurs formats mmh. et compagnie. J'ai regardé, même eux n'avaient pas en fait. T'as juste du 5.1 basique, t'as même pas de HDR. Et euh, après, bon, bah, il vient triste. de ressortir au cinéma, si je me trompe pas, le 1. Ouais. J'ai bah, laissé un petit moins. peu de temps qui prévoit... Bah ouais, mais tu vois, des ils l'avaient retiré de leur plateforme et ils l'ont remis. C'est euh... ça aurait été l'occasion de le mettre. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu frustrant. Mais je suis d'accord avec toi, la période des fêtes, c'est un moment, ou même la, de la période d'été, de, 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 c'est une période où je vais vouloir revoir des blockbusters. Là, cette semaine, je me suis fait avatar, bah, euh, il y a une semaine. Monsieur Avatar, je me suis fait Spider-Man 2 Homecoming, je crois. Ou No, euh, oui, c'est Homecoming le 2. Noé Home. Non, non. Far from Home. Non, bah, far, far from Home. Et euh, je me suis fait un troisième film, je ne sais plus lequel. Black Bref, je cas. me suis fait des gros blockbusters euh, bien fat. Et, et c'est le moment de les, de les voir, effectivement. C'est l'ambiance Noël, tu veux te poser et tu veux regarder des trucs euh, que tu ne regardes pas forcément à d'autres moments. Maintenant qu'on a parlé des films, est-ce qu'on passerait bien sur... Euh... on passerait pas sur un... sur les parcs Ouais, sur les parcs de Noël, comme je l'ai intitulé dans le, dans le Google Sheet. Ouais, tout à fait. Les parcs de le, Noël. Le titre est un peu trompeur. Ouais, ouais, parce que en réalité, bon, ce dont on voulait surtout parler, enfin arrête-moi si si t'es pas d'accord, <laughs> c'est de ce que pourrait faire Disneyland Paris à Noël ouais. pour se renouveler. On a déjà largement parlé dans le label Apéro de ce que fait Disneyland de Paris à Noël. Tout à fait. On a fait une émission dessus, on est déjà revenu dessus, c'est pas la peine, ça c'est du passé. Mais effectivement, c'est le moment de fantasmer un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et toi, Curia, tu avais une idée qui était super intéressante, dont tu m'as déjà parlé à plusieurs reprises et je vais te laisser la développer. Bah, en fait, je pense que ce serait pas mal de s'inspirer de, de Fantasy Iron par exemple, où euh, le, le, le truc qui manque à Disneyland de Paris, c'est que Noël est que à Main Street et Central Plaza. Et de mémoire, c'est comme ça depuis des années, des années. J'ai pas trop trop souvenir d'un moment où euh, Noël était ailleurs. Enfin, si, il y a eu des moments où Noël était ailleurs, mais c'était il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Euh, je pense à deux deux choses, deux villages finalement. Euh, le village de Belle qui était au fond de Fantasyland, avec des chalets, avec des animations, avec des trucs comme ça. Et euh, le village du Père Noël qui était au fond de Frontierland. Alors c'était bien. C'était bien parce que tu avais des zones un peu plus thématisées Noël, un peu plus marquées dans ces landes-là, avec une volonté de faire quelque chose. J'ai jamais compris le principe du village de Noël au fond de Frontierland. Mais admettons. Euh, le village de Belle, euh, pareil, tu vois. Le, le truc, ça se situe aux alentours de Casey Junior, tout ça, dans ce coin-là. Et euh, juste avant. Et en fait... Euh Pareil, tu vois, visuellement, ça me rendait quelque chose. C'était il y a très très longtemps, donc j'en ai des souvenirs qui sont assez flous, mais je m'en souviens quand même. Je me souviens quand même que y avait ce truc, euh, une, une effervescence à cet endroit-là, et, euh, et donc ça permettait un petit peu à la saison de prendre corps partout dans le parc, en tout cas un peu plus. Et, et je pense que c'est dommage qu'ils essaient pas de faire quelque chose du genre. Là, cette année, on a eu le retour des chalets à Fantasyland, qui sont en fait juste un déplacement ou euh, un ajout de chalet qui était au au parc Walt Disney Studios ou au Disney Village qu'on a foutu dans Fantasyland avec vite fait euh, de la peinture rose verte un truc mmh. comme ça pour euh, que ça choque pas trop mais sur un point de vue euh, thématique et machin euh, y a, y a, il y a vraiment pas de recherche plus que ça quoi c'est deux, euh, deux points de restauration en plus quoi ouais. et, euh, non, mais sûr des... et, et, et là où euh, ce qui serait intéressant c'est de se poser des questions de chaque land Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour fêter Noël, tu vois Est-ce que ce serait ridicule que dans Discovery Land, donc un land qui est quand même un espèce de hub de transport, hein, surtout, il mm. euh, y ait des décorations de Noël Je pense pas, parce que pourquoi Ça serait logique. Ça pourrait être intéressant. Ça serait logique. T'as des endroits où tu pourrais faire ça, tu vois, genre sur les côtés de Space et de Videopolis, toute cette allée là qui amène à Star Tours. Tu de la place mm -hmm. pour faire quelque chose. Ok, que tu le fasses pas du côté de Star Tours, parce que c'est très Star Wars. Ok, là, pas de soucis. Mais as, euh, Autopia, par exemple, tu as toutes les LED, tu pourrais t'amuser à faire quelque chose avec, Et changer de couleur. Euh, Autopia, pourrais... c'est une ville. Tu vas visiter une ville. Pourquoi est-ce que tu mets pas un peu de déco Noël Pas forcément un truc trop voyant, mais un petit sapin. Euh... Tu pourrais en mettre un peu partout, Noël, en fait, un peu tout le long. Oui, bien sûr. Ça donnerait de la déco à Autopia, ce serait pas mal. Hein. Ça ah, manque cruellement. Bah ça. Donc... Non, Ou, mais euh... c'est... C'est dommage, dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs de Noël à DLP. Ouais, c'est ça. Euh, donc... et, et encore, je prends Discoveryland qui est pas le plus évident. Fantasyland, bon, bah, ouais, ouais, c'est une évidence. Faut faire Noël à Fantasyland. Ah, okay, euh, ok, la plupart des contes sont antérieurs à Noël, mais on s'en fout. Euh, tu, peux, tu, peux, tu peux faire de la Yule, tu peux faire des trucs. Mais. mais. mais... Et puis, c'est censé être une ville. Pourquoi t'as pas des sapins en face des maisons Pourquoi t'as pas de décoration aux fenêtres Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Totalement faire des trucs. Tu vas parler après de Frontierland, mais c'est pareil. Hein. Frontierland, c'est encore plus. Pour moi, ça, ça laisse de la place en fait. C'est euh, Frontierland et même Adventureland, tu vois, il y aurait. Ça laisse de la place pour la création. Euh, Qu'est-ce qui t'imagine de te dire, euh, bon bah hé, on a qu'à fêter Noël dans une ville du Far West euh, du 19e siècle. Bah, tu te croises un peu ah, la tête. T'as de la place, tu vois, tu peux trouver des idées. Adventureland, c'est peut-être le moins moins évident. Bah, Adventureland, ça dépend où. C'est un peu bizarre euh, de faire Noël à grabat en ce coin-là, ouais, je veux pas te mentir. Euh, au niveau mais de là, le pirat, les Robinson, C'est très naturel, pourquoi, Robinson, tu ils, ils Noël. Les Robinson pourraient fêter Noël. Tu pourrais mettre des trucs dans euh, la cabane des Robinson, dans tout l'arbre. Genre des espèces de guirlandes géantes, comme si c'était un sapin géant. Je sais pas, mmh, tu vois. Je dis pas de faire ça, mais c'est une idée. Et, euh... Et je, je, je sais pas pourquoi ils n'essayent pas... Euh, parce qu'ils n'ont pas besoin de se creuser la tête, j'imagine. Ou même, tu vois, c'est bête, hein, mais euh, pour revenir sur Frontierland, qu'est-ce qui t'empêche de décorer le Molly Brown Bah oui, clairement. Surtout que les LP, ils sont à fond dans leur, euh, dans leur logique, euh, dans la com. Oui, euh, Noël, Disneyland Paris, c'est magique, euh, la place la plus magique sur Terre, mais vendez-la Ne nous mettez pas juste Noël sur Main Street, c'est débile enfin, C'est... Vendez ouais. le fait que tout Disneyland Paris fait, euh, fête Noël. Et puis tu vois, même sur Main Street, euh, bon... C'est pas mal, hein, ce qu'il y a. C'est pas mal. Moi, j'ai un souci avec les quatre guirlandes qui sont en l'air, qui sont là depuis plus de dix ans. C'est pas une blague. Ah, okay. Et ah, euh, bien, qui, qui, qui me fatigue, tu vois. Enfin, c'est un peu triste tout. Quand j'arrive euh, sur Men's alors je dis pas de faire que les arches comme à l'époque, mais enfin, quatre guirlandes, quoi. Non, c'est. J'ai l'impression d'être. Tu vois, dans ma ville, a, ils font ce que font beaucoup de villes, c'est des espèces de toits. Tu sais, de, de toits étoilés. Ouais. ouais. Ouais, ouais je vois et, et c'est bête hein, mais ça a plus de tronche que les quatre guirlandes de Main Street c'est peut-être moins pratique et je dis pas de faire la même chose mais justement en fait t'attends autre chose de la part de Disney t'attends euh, une forme de next step de de, de... ok là c'est ça va plus loin tu vois et pour moi l'a pas trop tu vois alors il y a peut-être des alors solutions je... tu vois peut-être que foutre des sapins partout je sais pas si c'est une solution mais je sais pas il y a, a, a mais... d'autres quelque chose à faire sur les façades ou on parle des studios ou on se met pas en colère maintenant ouais, Sur les studios, c'est fou. Je, je piche pas. Hein. Là, cette année, au studio, il y avait rien de Noël. Hein. Pardon, excuse-moi, il y avait un meet Il y a, y a rien de Noël. Il y a euh, trois décos qui sont dégueulasses au niveau de la place des Frères Lumière. Ouais. Qui ah, s'intimident en plus. En, euh, pour les, les gens qui sont euh, sensibles à ça. C'est très désagréable euh, aux yeux. Ça te, ça te défonce un peu la rétine. Et... Euh, dans Studio 1, c'est pareil, t'as trois trois guirlandes à la con et t'en sors et pareil, t'as quatre étoiles et, et c'est fini. Et puis t'as derrière la les décos, t'as euh, les chalets, la place de mmh, il y a ça. Il y a Miriam 51 qui dit j'aimerais bien des overlays dans les attractions comme à Orlando pour Utopia aux Pirates. Je savais pas du tout que Orlando qui faisait ça à Walt Disney World. Je, je savais pas du tout que But... c'était thématisé Noël. Euh... Bah, en fait, t'as as, as le truc de Small World. J'avoue que je suis pas trop trop sur tout, mais t'as le truc de Small World et t'as euh... pour le coup en pas Orlando, en France, Californie, en Floride, t'as euh... en Californie à Tokyo pardon, t'as euh... l'étrange Noël à la place de Phantom Manor, enfin de Haunted Mansion pardon. Oui. oui bien sûr. Et, euh... et ça par exemple, c'est pas mal. Mais oui, le Big Band Noël il manque. Hein. C'est pour moi, c'est vraiment la grosse erreur de DLP cette année, c'est de ne pas l'avoir mis. Oui. Parce que j'adore Mickey le Magicien, c'est voilà, super chaud, etc., etc. Mais en tant que pass annuel, c'est aussi important d'aller dans un parc et de voir des nouveautés. Mais tu vois, au parc Walt Disney Studio, pourquoi ils n'utilisent pas le côté très, euh, très euh, urbain Qu'est-ce qui marche dans les villes C'est les illuminations. Pourquoi tu ouais. n'utilises pas les façades, tu vois, pour faire comme ils font les, les américains, tu vois, les, les particuliers tu sais, ils font des, mmh. des installations de maboule avec des chaudes, son et lumière, machin, souvent. Bien mais, sûr, mais ça, même, ça serait génial. Il y a de la place au Parc -au lycée Studio pour faire ça. Tu peux faire ça sur la Place des Stars, sur, sur le bâtiment de Sur Studio Theater, tu peux faire ça sur le bâtiment Disney Channel, tu peux faire ça sur... Euh, sur euh, tout, en fait, tous les bâtiments, une fois que tu te retournes. Studio 1, mmh. euh, même euh, Art of, euh, Animagic Theater, tous ces bâtiments-là, tu pourrais le faire. Et Bien ils ne le font pas. T'as as zéro effort qui est mis. Euh, T'as tout toute la place World of Pixar qui est en fait Toon Studio. C'est pareil, tu vois, les Toons, ils ne pas Noël Putain, vous avez des. A Toon Studio Et <laughs> vous ne faites pas Noël dans Toon Studio, quoi C'est genre le truc le plus, plus évident. Toy Story De Playland T'as rien, rien du tout. Et puis, je sais pas, apparemment, à Disney Studio, la nouveauté de l'année, c'était le Land Avenger Campus c'est un campus, je sais pas, moi, le campus de la fac d'Orléans, il euh, y avait toujours un sapin, il y avait toujours des... Mmh. des trucs dans le hall. En hein. pas un sapin, mais il y avait au moins des cadeaux emballés, il y avait des, des petites guirlandes. Euh... Bon, c'était pas grand-chose, un... ça faisait un peu pitié, mais au moins il y avait des trucs. Euh, Foutez-nous un truc à Avengers Campus. En Californie, t'as un show euh, un peu inspiré de Hockey, qu'on n'a pas cité comme euh, truc de Noël d'ailleurs. Mmh, euh, euh... T'as un show Hockey euh, qui est joué euh, qui... à la place du show euh, habituel. Enfin, d'un des choix habituels. C'est débile qu'on, qu'ils aient rien. Enfin, c'est, la nouveauté de l'année et... et ils nous le vendent même pas pour Noël, quoi. J'ai, déjà gueulé pour Halloween, mais bon, apparemment, euh... peut-être que c'était trop tôt ou je sais pas, mais là, le fait de ne pas le faire pour Noël, c'est, pour moi, c'est un acte manqué, c'est terrible. Hein. Bah, c'est ça, ouais, c'est, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ouais. Bon. J'espère qu'ils y penseront pour l'an prochain. Hein. J'espère que. J'espère qu'ils vont penser à faire des choses intéressantes, parce que ça manque beaucoup. Bah c'est ça, il ouais. n'y a que ça à espérer. Euh... C'est que ça finisse par bouger, quoi. Ouais. Décorer le Queen jet ça pourrait être marrant, ouais. Après, je ne suis pas sûr que Marvel veuille, tu vois. C'est ça un peu qui peut poser problème. Bah je sais pas, ils l'ont fait à, à Epcot À Epcot Le Gagnant Galaxy, là, il a un overlay de Noël Oui, oui c'est vrai. Donc, oui, ouais. ok peut-être que c'est pas la même licence peut-être que c'est Avengers mais faites un truc je sais pas mettez un sapin mettez... bah même sous la plateforme du Queen Jet je pense que t'as la place pour mettre des sapins des décos des trucs et oui en plus il y a eu un court métrage de Noël sur les gardiens Ouais. je l'ai pas vu encore on en parlera peut-être plus tard mais euh... foutez les nous quoi c'est vrai non, comme mais... film de Noël que j'ai pas cité il y a Bajin Gates euh, on en parle le plus tard non ouais. oui pardon t'as raison t'as raison mais, mais ouais ouais euh, non non franchement je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et s'inspirer par exemple ouais, de Fantasy Land et de son Winter Traum où euh, chaque land a, essaye de, de, de ramener Noël c'est malin ouais. quoi tu vois genre leur, leur land un peu euh, uh, Chinatown euh, ils mettent un peu des, des, des lanternes partout euh, pareil un peu partout tu vois enfin ils essayent de faire un truc pour que les musiques aussi changent dans tous les lands pas forcément du tout au tout, tout mais qu'elles rajoutent des sonorités de Noël dans les, dans les bandes originales ou des trucs comme ça Sinon, putain, une fois que tu sors de Main Street, c'est fini, quoi. Alors, je peux comprendre que tu veuilles que ton parc reste quand même relativement neutre pour que les gens qui viennent à Noël aient pas l'impression d'avoir que du Noël. Mais il y a un entre-deux entre ce qu'on a là et le Noël partout, quoi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. On espère que. Merci Max, je trouve effectivement que notre overlay est très beau. Là, il est beau. Il y a, euh, a Goodcart qui dit j'espère que le viewer du RERA RER va comprendre. Oui, j'espère aussi, hein, parce que clair. si jamais ça, ça pouvait être notre cadeau de Noël pour l'an prochain, ça serait très très bien. Oui, de, de fou. Franchement, ça commence à être très regrettable, en fait, ce, ce stagnation euh, au niveau des saisons, voire réduction. Enfin, tu vois, le ouais. seul endroit où tu as des codes de Noël un peu... Euh... Enfin, le, le... J'ai un gros problème avec le théâtre du château qui a des décos de Noël où tu te dis, mais il y a un truc Non, il n'y a rien. Ah, mais pourquoi c'est décoré alors que. Mm. C'est bizarre. Non, mais c'est un, un, un acte manqué, c'est évident. Tout à fait. Si jamais les gens envie... veulent nous rejoindre pour discuter notamment de euh, ce qu'ils ont vu récemment sur Disney. N'hésitez pas. pas, je pense qu'on va bientôt switcher de sujet Je sais pas ce que en penses bah, yeah. Justement, j'ai un, un truc qui a un rapport avec, les, avec ça Ouais euh, Sur Disney+, il y a une émission Sur Noël dans les parcs ah, je Que, que j'ai pas encore regardé On va pas se mentir, j'ai pas, pas encore eu le temps euh, Mais une, une il y a une émission Où ça parle de, de Noël dans les parcs Et j'ai... Je pense que... que ça peut valoir le coup de la voir mmh. Je te donne le nom tout de suite Dès que j'ai réussi à me loguer sur Disney+, il a décidé de me, dé me dégager non mais c'est vrai après, euh... après c'est aux US, c'est un coup être déçu, non Ouais c'est euh... oui, vrai que c'est sur les US. Après aux US, encore une fois hein... je... je j'alouse pas tant que ça parce que euh... <laughs> Apparemment je m'étais trompé de lien sur Discord <laughs> Jalouse pas tant que ça parce que euh, en fait là-bas ils ont euh... Ils ont des. des, des euh, beaucoup moins de spectacles, euh, généralement, pendant les saisons. Et ces spectacles-là ont lieu pendant les soirées. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Donc c'est le cas à Halloween et à Noël, où il y a beaucoup de soirées également. Donc bon, là-dessus, je les envie pas plus que ça, mais euh, j'envie peut-être ce qu'on avait il y a quelques années. Euh, en 2018, en 2019. Euh. Bon. On avait regardé avec Ophélie la parade de, de Noël de Walt Disney World, je crois. Elle, est pas, elle nous para elle nous, elle nous paraissait pas si exceptionnelle que ça je trouve que la nôtre est beaucoup plus beaucoup mieux beaucoup plus intéressante et beaucoup plus euh, complète je parle de celle de celle qui brille et qu'on a actuellement ouais bah c'est cool bah c'est cool c'est cool euh, qu'est ce que est-ce qu'on enchaîne euh, ah, on a parlé du noël Efteling récemment donc n'hésitez pas à aller euh... Regardez le live en question où nous recevions Charline, qui est disponible ouais. sur YouTube. Et avant que les gens soient de mauvaise langue, oui, il est bien disponible sur YouTube. Euh, donc, n'hésitez euh, pas. J'ai retrouvé le truc c'est decorating Disney Holiday Magic. Ok. 40 minutes sur Disney, ça parle des parcs de Noël. C'est un documentaire, c'est pas une série Non, c'est juste un documentaire. Ah, ok. Et effectivement, c'est Walt Disney World et Disneyland. Et il y a Whoopi, Whoopi, Whoopi Goldberg dedans. Oh Bon bah, je vais regarder. Euh, purée, j'aurais vu ça à fond, je l'aurais regardé plus tôt. Je kiffe Whoopi, Whoopi Goldberg. Okay. Whoopi Goldberg, c'est euh, généralement quand t'es dans un film de Noël, tu sais que le film de Noël vaut le coup je suis pour elle. Ouais, totalement, totalement. Est-ce qu'elle en a fait quelques-uns, il me semble D'ailleurs, est-ce que Sister Act, film de Noël ou pas <laughs> Eh, en la vrai, question ça se, se pose, c'est... En fait. Ophélie me l'a fait découvrir, pas si longtemps que ça, et c'est vraiment goldé. T'as un côté un peu chanson, un côté un peu cato, euh, ça passe sans en fin de date. Ça passe. <laughs> Comme on dit, c'est le meilleur des deux mondes. <laughs> ok. Euh, bon. Dernier sujet ouais. que t'as choisi, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Euh, on l'a appelé <laughs> sur tes conseils, rien que Disney Ouais, sur les conseils de Nagla surtout, hein. mais bon pour un autre. Ah, bon, un, un, un autre débat. Euh... Rien ne dit plus, c'est un format qu'on bah, qu aimerait bien voir revenir, peut-être de manière mensuelle, une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, on verra, euh, où on parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on voudrait voir. Ouais. Et quitte euh, à inviter des gens, s'il y a des personnes dans le chat qui ont vu des choses et qui veulent en parler, n'hésitez pas à venir toquer. N'hésitez pas nous à nous messages. dire, on peut vous envoyer un lien, vous pouvez être avec nous en très très vite, c'est pas compliqué, tout est prêt. Donc, euh, n'hésitez pas à vous, à vous lancer. Puis, si vous ne si vous voulez pas vous, vous lancer maintenant, sachez que dans, dans un mois, ça reviendra et euh, vous aurez l'occasion d'en parler. Tout à fait. Et donc, qu euh, qu'est-ce qu que tu as vu, toi, récemment sur Disney+, mon cher Valar Alors, c'est pas très témé Noël. Ah ouais euh, C'est même plutôt témé Halloween. C'est le court-métrage de... Alors, même le moyen-métrage, euh, Werewolf by Night... Ok. Les loups, Alors, par, la ce... ça, les loups par la nuit. Euh, c'est ça, les loups-garous par la nuit. C'est pas de saison, mais c'est une production originale Disney+. Euh, et l'idée, c'est que il euh, y a une confrérie secrète de chasseurs qui est là pour combattre les ténèbres. Leur chef vient de mourir. Et ils se réunissent tous dans un manoir. Enfin, tous les chasseurs se réunissent dans un manoir. Et l'objectif, c'est de, 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 de décerner le titre de chef des chasseurs. Et euh, pour cela, ils doivent tuer un monstre. Il y a un côté un peu le jeu loup Garou, non Bah, je croyais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, ok. Pas tant que ça. Et euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Marvel, c'est Elsa Bloodstone, une chasseuse bien connue, euh, qui va s'infiltrer là-dedans puis qui va essayer de prendre le rôle de chef des chasseurs. Est-ce que c'est la reine des neiges Non, mais c'est la reine des chasseuses. Ok. Elle a du un coup gros. C'est la reine des chasse-neiges <laughs> Non. Je la verrai plus comme ça. Et <laughs> il me semble qu'on va la revoir. Si je me trompe pas, il me semble que Elsa Bluestone, elle va refaire d'autres trucs dans Marvel. Ok. Euh, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Donc tu nous as spoilé. Elle meurt pas à la fin. Pas bah, vu. C'est le personnage principal. T'as déjà vu un personnage principal mourir dans un film Marvel Euh. Non. Moi non plus. Bah si. Ouais, mais on savait qu'ils allaient revenir. T es aussi. Euh... Oh de quoi? Que Scarlett Johansson! Ah ouais, pas faux, effectivement. Non, il y en a, mais bon. Euh... Est-ce qu'on peut dire que Scarlett Johansson est un. En tout cas, rarement sur est... leur premier film. Ouais, ça aurait été compliqué. Enfin, sauf Scarlett qu Johansson, qui est morte avant son premier film, ce qui est quand même balèze. Mais, euh... ouais. <laughs> ouais. Non, bon. non, je vous, vous conseille. Ça fait pas si peur que ça. Euh, pour vous dire, euh, Valérie, t'as bien aimé. J'étais un peu, un peu surpris, mais elle a vraiment bien aimé. Et euh, du coup, regardez-le, c'est Mais t'as pas vraiment plus, peur, plus peur qu'elle, généralement Il euh, euh... ah, fallait pas le dire, pardon. Non, je vois pas de quoi tu parles. <laughs> D'accord. <laughs> euh, On sort moi, pas je... les anecdotes, s'il te plaît, merci. <laughs> On va rester <laughs> dans les films, enfin les films moyen métrage je ne sais pas trop. Euh, moi je vais vous parler de Il était une fois une fois Alors je vais pas trop en parler longtemps Parce que euh, vous avez déjà une Disney Music Box là dessus Je vous laisse euh, Je laisse Maxime mettre le lien dans le chat Mais moi c'est euh, Donc le, la suite de Il était une fois Donc euh, Enchanted qui est pour moi Un excellent film de Noël C'est pas un film de Noël mais c'est un film super pour Noël Le 1 euh, ouais. C'est pas un anard dégueulasse Fais gaffe de démolir non j'adore euh... Enchanted hein. non, est... Enchanted c'est vraiment c'est vraiment très chouette euh... il y a un côté kitsch assumé mais c'est pas enfin c'est pas un nanar c'est un peu kitsch mais euh... c'est Disney qui se fait une grosse tape sur l'épaule quoi donc c'est c'est super cool en tant que fan de Disney c'est tout ce qu'on aime et, non, euh... et puis le côté kitschou de Noël c'est ce qu'on recherche aussi non un petit peu ouais un petit peu kitschou bon enfant euh... tu sais qui... Qui... Qui, est... qui est candide mais qui le sait et qui l'assume ouais Exactement. Et, et ça, je trouve ça intéressant. Le côté euh, assumé, c'est vraiment chouette. Et, euh, et donc, euh, il était une fois, une fois. Euh, c'est bien, c'est la suite. C'est différent. C'est assez différent. C'est un film qui est beaucoup moins drôle. Mais c'est pas un film que j'ai pas aimé, tu vois. C'est. J'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait des parties pris scénaristiques qui étaient plutôt cool. Que musicalement, il y avait des morceaux qui étaient vraiment bien. Pas tous. Il mmh. y, a, y, a y a un peu à boire et à manger. Mais il y a des trucs qui sont vraiment bien. Euh, par exemple tu, trouves, tu vois que bah, Idina Menzel qui était dans le premier et t'avais beaucoup la blague de lol ils avaient Idina Menzel ils l'ont pas fait de chanter <laughs> les cons et bah aujourd'hui tu sens que bah, la chanson qui un peu gratos je trouve tu sais, dans le déroulé tu sais, ça fait un peu bon bah alors euh, vas-y chante Idina quoi mais sinon, sinon euh, en soi le film est très bon et euh, je, je vais vraiment beaucoup aimé il a ce côté un peu un peu film de série B parfois mais, euh, mais c'est bien, tu vois. C'est chouette. Et c'est, à mon sens, encore une fois, un film qui pourrait plutôt bien passer à Noël. Moins que le premier, mais quand même bien. Euh, donc, ouais. Non, vraiment, euh, je le recommande. Mais euh, c'est deux films différents. Je peux comprendre qu'on aime le premier, mais pas le second. Ou même l'inverse, en vrai. Je me choquerai pas non plus. Euh, c'est deux films assez différents. Et il y en a un qui est un peu plus. Un peu plus. Je, je trouve que le premier a mal vie Voilà, je le dis. Je suis désolé. Je trouve que le premier, sur les aspects techniques et visuels, il pique. Ah oui. Il pique. Oui, oui, il pique. Pourtant, il passe pas si. Sur l'histoire non, mais, mais effectivement, sur le côté euh, technique, comme tu dis, c'est compliqué. Toutes les incrustes 3D dans le monde réel ou quoi, mm. euh, Pipe, c'est horrible. Euh, alors que là, tu vois, je trouve qu'il y a des twists qui, qui sont plutôt pas mal, euh, notamment avec Pip qui devient un personnage pas insupportable et ça c'est cool. Et, euh, et et même euh, le développement d'Amy Adams, donc de son personnage de Giselle, est vraiment chouette. Et euh, on voit également tout le développement de, de Morgan, qui n'est pas. Euh, la, qui n'est. Peut-être pas dire ça en public. Qui... Non <rire> <rire> euh, Qui n'est pas. Euh, voilà. Pas ah, euh, comme dans qui... Gamelott. <laughs> non, mais ça me tente beaucoup, faut qu'on se le voie avec Ophélie. Euh, donc, la, la fille hein, du, 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 du perso principal de. De il était une fois, euh, qui, à mon sens, ouais, euh, prend un peu plus euh, de place dans cette suite et qui est un peu plus centrale. Et c'est assez cool en vrai. C'est des histoires assez classiques, mais je trouve les twists intéressants. Ça, ça, ça joue toujours un peu avec les définitions de contes de fées, tout ça. Donc mmh. ça, c'est bien, tu vois. Même si le côté parodique est un peu moins là, mais okay. il est là quand même. Pour revenir sur Werewolf by Night, il y a Nautilus qui dit que c'est très bon et qu'il n'avait pas vu de, de quelque chose d'aussi bon. Quelque chose aussi bon chez Marvel depuis un bail. Il euh, y a Goodkar qui nous rappelle que c'est Michael Giacchino qui a fait la musique et qui a fait le film aussi. Et euh... oh, la vache, il y a Fanny qui dit qu'elle a traîné Vincent dans tout Central Park pour trouver les escaliers et la fontaine de Enchanted. Eh oui, bah, bien écoute Vincent, on poste fort à toi et solidarité masculine, euh, Hi-Fi virtuelle. Mais en vrai, je comprends. Et, euh... <laughs> et toutefois, euh... non, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant, T as un côté... Euh... Ah, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu penser à WandaVision sur certains aspects. Je trouve. Il y a un peu des twists un peu similaires. Mais euh, ouais, ouais euh, c'est très bien, il faut regarder ça. C'est euh, cool. Je, je dis pas que tout le monde aimera, parce qu'il y a clairement un parti pris, c'est pas le même que le premier. Mais euh, mais Est-ce est qu'il y, y a y des voir, passages d'animation, comme dans la 1 Ouais, il y en a <laughs> toujours, ouais, ouais, ouais. Au début, à des... la fin, et peut-être pas que. D'accord. Non, cool, et ça pour fait. le coup, bah, ça, ça va, franchement, visuellement, ça, ça, ça fait vraiment le job. C'est pas incroyable, mais euh, ça fait le job, vraiment. Tu as, as, as une scène en animation qui est vraiment cool. Non, mais faut qu'on le regarde, faut absolument qu'on regarde. Peut-être peut pour le premier de l'an, vu qu'on fait rien pour le premier de l'an, je vais peut-être euh, choper Valarette et l'installer devant le machin. Ça nous changera de One Piece. Ah, bah, ça, c'est bien One Piece. Regardez One Piece, mmh. non, euh, et donc, euh, donc, tu, tu, tu veux enchaîner? Euh, j'ai pas beaucoup de recommandations, j'arrête pas grand chose sur Disney Plus de nouveau en ce moment. Je suis un peu en boucle sur des anciens, des anciens films ou des, des trucs que j'ai déjà vus. Euh, The Orville, regardez The c'est bien The C'est ouais, la meilleure production de science-fiction que j'ai vue depuis euh, longtemps. Puis Avatar <laughs> C'est différent. Euh, non, mais tu vois, euh, à part Andorre, parce qu'Andorre c'est bien, C'est euh, fait longtemps que j'ai pas pris mon pied devant un truc de SF. Euh... Non, c'est bien. C'est du Star Trek. Star Trek. C'est Star Trek. même principe que Star Trek. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, c'est euh, réalisé par l'acteur principal qui s'appelle. Euh, Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Donc c'est Ted, je crois. Ted. Ed. Euh, Ed, c'est pas. <laughs> c'est, euh, oui. Qui a, qui a, sa petite peluche de Kermit sur son bureau, voilà. Oui, si c'est bien vrai. le pète euh, voilà. Mais effectivement, c'est Ted. Oui, voilà, c'est Ted. Ah mais ok, record. mais je croyais que tu parlais du nom du perso. Non 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 non, c'est le film Ted. <laughs> mais non, mais c'est Ted, c'est American Dad, c'est euh, les Griffins, euh, c'est beaucoup de choses en fait. Hein. Non, non, mais c'est McFarlane vraiment... en termes du, de, de, de production de de, 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 de contenu plutôt euh, plutôt cool. Il euh, y, y a vraiment du taf quoi. C'est impressionnant en fait tout ce qu'il a pu faire quand tu vois qu'il est pas il est pas si vieux que ça euh, et euh, et c'est cool. Donc il y a eu deux saisons qui ont été produites à l'époque, il y a genre euh, 5-6 ans. C'est assez marrant que ça sorte sur la Fox, parce que c'est une série ouais. Fox à la base. Alors que bon, quand tu vois le truc, c'est quand même très très très... Euh... Ah, le discours est progressiste. C'est intelligent. Je, cela dit, je trouve que c'est fait de manière très intelligente. Mmh. Pas, euh, ça, fait, ça amène à la réflexion, plus, ça fait réfléchir, mais je le dis différemment, plus que euh, ça te dit euh, ça, machin. Tu vois, je, je trouve que c'est une série qui est très, euh, très intéressante et qui prend pas mal des contre-pieds. Il y a un petit côté un peu Black Mirror parfois. Ça va pas dans le ouais, même. Je... C'est pas pareil, tu vois. Mais euh, et un petit peu. Ouais, il y a deux saisons pour l'instant en France. Il uh, y a ouais, c'est ça. Il y a deux saisons qui sont dispos sur euh, Disney Plus France. Il y en a une troisième qui est dispo euh, au Canada Zoo et aux États-Unis et qui a pour le coup été euh, produite par Disney avec beaucoup plus de budget. On, est on en attend de voir s'il y aura une suite. J'espère que ça va passer parce que ça a un peu ranké dans les classements, mais pas non plus de ouf. Bah après en même temps c'est pas Star Wars ou Marvel, tu vois. Donc euh, s'il n'y a pas une grosse com derrière, c'est jamais évident. Euh... Non, ça mériterait d'être plus vu. Donc euh, n'hésitez pas à aller regarder ça, donner plein de vues là-dessus à Disney+. Parce qu'une troisième saison, une quatrième saison, ce serait hyper intéressant. Ouais 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 vraiment. On ça ça m'énerve tu vois cette mentalité qu'ils ont de faire traîner euh, les saisons 3 de certains trucs ou, ou certaines mm. séries tu vois tous, toutes les séries qui sont pas euh, bah, les gros blockbusters euh, originals euh, Marvel Star Wars ou euh, Disney mm. ce qui est un petit peu euh, à la marge ça a tendance à traîner t'as eu, euh, la série Bienvenue à Rek'sham qui est sur euh, Ryan Reynolds et je sais plus qui qui achète un vieux club de foot anglais par Exemple, ouais, c'est une histoire vraie et qui essaye de le remonter. Et bah, tu vois, ça c'est sorti en septembre et on ça sort le mois prochain, je crois. T'as euh, bah ça, The Orville saison 3 qui sortait euh, semaine par semaine de juin à septembre. Bah, euh, je crois que c'est 2023 en France, mais pourquoi tu vois? Enfin, t'as Bleach, ils ont pris les droits de la dernière euh, du dernier arc de la série animée Bleach et ça ne sort pas en France, ça sort dans certains ouais, pays d'Europe, ça sort aux US, mais en France, bah ça va parce qu'ils ont les droits hein. et mais... c'est con parce que pour ceux qui connaissent pas bleach c'est fait partie du big free big Tree, big 3, de l'animation japonaise et c'est un gros truc c'était ouais, au niveau ans. de naruto et de ouais, mais au niveau de naruto et de one piece donc c'est vraiment un gros truc ça devrait être un truc qui fait vendre disney plus pour moi ils auraient dû d'accord mais ok Day one. pour moi le big 3 à l'époque s'il n'y avait pas one piece il y avait fairy Tail mais depuis one piece c'est passé devant mais en france en tout cas ouais ok et puis en oh, Naruto je sais pas tu vois. enfin aujourd'hui c'est différent mais effectivement à l'époque c'était tout à fait euh, tout à fait et, et Goudkar a raison la saison de, euh, 3 de DuckTales a mis une plombe à sortir mmh, c'est vrai c'est vrai chouant. aussi après je me demande s'il n'y a pas une histoire avec Disney Channel pour euh, DuckTales je sais pas c'est pas un peu différent mais, mais ouais c'est un, un peu bête euh, salut Nautilus la bise Ouais la bise. Il y a Goudkar encore qui dit je regarde la série Willow, c'est pas au niveau du film mais c'est assez sympa. Faut as vraiment que je me vu. trouve du temps pour voir le film, je l'ai jamais vu. Pareil. Pareil, je pas ouais. vu. Et je suis assez curieux, je vois des retours assez euh, assez euh, J'ai vu par exemple des gens dire "Ah mais il y a un langage jeune dans Willow." Et tu as beaucoup de gens qui disent "Ouais, mais il y avait un langage un peu jeune dans le film et il y a un côté un peu euh, un peu jeu de rôle, tu sais." avec ouais, des, des pseudos anachronismes un peu voulus qui sont pas forcément très marqués mais qui sont tu sens que ça a été écrit récemment tu vois et que mmh. euh, voilà et, et apparemment bah oui mais c'est logique parce que bah, le premier film il date de la fin des années 80 donc le langage un mmh. peu jeune de l'époque il est moins choquant aujourd'hui quoi c'est plus un langage jeune alors qu'aujourd'hui bah, si si as des trucs un peu plus euh, un peu plus modernes c'est euh, c'est sûr que ça choque peut-être un peu plus mais peut-être autant que le premier Willow à l'époque quoi voilà, je suis sur Disney+, ouais. en train de chercher des trucs bon il y a Avalonia mais ça je pense qu'on en parlera plus tard parce que je ne l'ai pas encore vu Ouais, mais, mais, mais en réalité les films d'animation euh, à Noël c'est plutôt pas mal à part Soul mm. qui euh, n'est pas un film de Noël je suis désolé mais c'est vraiment un film si tu le regardes à Noël t'as juste envie de te jeter quoi. il euh, y a oui. un super film qui est sorti sur Disney+, un excellent, un excellent blockbuster euh, il est sorti au cinéma il y a quelques non. temps donc là on rattrape avec non. la chronologie des médias c'est euh, l'Ascension de Skywalker, l'épisode 9 de Star Wars c'est non <laughs> je pensais que j'allais me faire Ah bah ben non, on est pas sur Discord, tu peux pas me kick. C'est non. Non non, c'est blague non, à part. Moi je peux par contre... Aïe. <laughs> euh, blague à part, il y a euh... non, la moi ce suite... que j'ai ce que j'ai regardé euh, récemment, tu, vois, tu parlais de blockbuster et tu as parlé de Alors, moi je sais pas pourquoi tu trouves que c'est des films de Noël. Mais moi c'est une euh, licence que j'ai découvert il y a peu en sachant qu'il y avait la série qui arrivait. Enfin, J'ai redécouvert, on va dire, le premier, je l'avais vu il y a longtemps. C'est les Benjamin Gates. Alors, pour moi, c'est Noël, euh, parce que euh, quand j'étais petit, j'avais le DVD, je kiffais Benjamin Gates. Et euh, je veux dire, on se, on se mettait ça avec mon frère et ma soeur euh, euh, à Noël, parce que c'était notre truc. Enfin, c'est pour ça que moi, je l'associe à Noël, tu vois. Et je me demande s'il n'y a pas un des films qui est sorti au mois de décembre. Si, je pense qu'il devait probablement parce sortir que en fin ça, ça, de J'ai le souvenir d'aller le voir avec mes parents, tu vois. Euh, au mois de décembre. Euh, ouais, en France, ouais c'est ça. En France, le 1 est sorti le 22 décembre 2004. Putain, Ok. J'ai dû aller le voir avec mes parents au cinéma, mois de janvier, tu vois. Euh, en plus, on habitait, on, on habitait à, à Bourges à l'époque, donc notre so on allait souvent au cinéma. C'est fou. <laughs> non, mais c'est des souvenirs d'enfance, tu vois, où oui, vraiment le. Mais les du coup, c'est <laughs> que... est bien. Est-ce que c'est. Euh... C'est de l'aventure la, en fait. C'est de l'aventure. Euh, voyez un peu un Indiana Jones en un peu plus moderne, hein, parce que Indiana ouais. Jones c'est dans le passé. Hein. Et, euh, et, et oui, le saviez-vous. Mais... C'est bien, <laughs> C'est vraiment le feu. Oui, tout à fait. C'est exceptionnel. Enfin, des films d'aventure, comme on en fait plus. Hein. Bah, c'est ça, ça revient tout doucement. Il y a eu Jungle Cruise, tu vois, pour moi qui est un peu dans cette même. Dans une veine similaire. C'est des films d'enquête euh, sur des trésors, des machins, des d'aventures, des, des, où tu vas te voyager, tout ça. Alors, Benjamin Gates, ce défaut, je trouve, c'est qu'il ne te vend pas assez son exotisme. Parce qu'il y a de l'exotisme, mais dans la formule originale, on te vend quand même beaucoup un truc euh, très américano-américain. Bah, ça ça s'appelle National en anglais, Treasure. Voilà, c'est ça. Du coup, euh, c'est vraiment l'idée, je pense, d'explorer de, de, la mythologie US. Hein. C'est ça, donc on, en gros, vous avez deux films, et franchement, pour les avoir. Enfin, euh, le premier, je l'ai découvert récemment, redécouvert, et le deuxième, je l'ai vu pour la première fois. C'est vraiment très très bien, c est, c est, ça passe très bien. Je dirais qu'ils sont un peu répétitifs, les deux films, entre eux. C'est un peu la même ouais, structure quand même. Hein. Ouais, faut pas les regarder à la suite. Mais le deuxième est à mon sens un peu mieux maîtrisé. J'ai jamais su pourquoi il n'y avait pas eu trois juste après. Euh, je pense que. Je sais pas, avec Bruckheimer, il faisait tellement de projets à l'époque que. C'est pas trop. C'est con. Je pense que si ça n'avait pas été annulé. Il me semble que c'était prévu. Mais que ouais, c'est possible. Peut-être qu'ils se sont concentrés sur Pierre des derrière qui a mieux marché Je sais pas. C'est con parce que vraiment le... Ah attends, est-ce qu'ils n'ont pas fait juste après le film L'apprenti sorcier avec, euh, encore une fois, Nicolas Cage qui lui est un vrai four L'adaptation live de Fantasia. Non, mais on en ont fait énormément de, de, de Bruckheimer, en fait. Hein. Bruckheimer Disney, c'était tous les films live de l'époque. Tout ce qu'on voit plus aujourd'hui, qui sont plus que des remakes, en gros. Mm, mm, mm. Ça, de, de Armageddon à euh, Lone Ranger, euh, Tomorrowland. Euh. Mm. Voilà. Tomorrowland, d'ailleurs, bon film de Noël aussi. Euh... Est-ce que tu as vu euh, la série du coup bah, Alors, ouais, justement, c'est de ça que je voulais parler. Alors, déjà, le deuxième film, il est bien. Et le deuxième film, il y a une surprise. Si vous avez vu Modern Family, ça fait très bizarre de voir euh, Phil. Qui est un personnage très drôle et très euh, étrange, dérangé, euh, dans un rôle un peu plus sérieux, ça fait <laughs> très étrange, mais c'est très agréable et, et très drôle. Mais euh, donc, euh, ouais, ouais, j'ai commencé la série, j'ai vu le premier épisode seulement, je crois qu'on a déjà trois ou quatre de sorties, et euh, donc c'est vraiment cool. Donc c'est plus l'héroïne, donc maintenant ils ont trouvé un nouveau nom en français, c'est Trésor perdu, qui marche. Mmh. Et, euh, et franchement, c'est intéressant. Tu es vraiment dans la même lignée de, de ce côté un peu. Euh... Ah, J'aime bien ce côté un petit peu franc-maçon, franc euh, ouais. un peu conspi, tu vois. Mais, mais conspi il mmh. faut le dire avec des guillemets. Tu sais très bien que c'est euh, que, que, que c'est euh, ouais. que, que faux, tu vois. Et, mais mais c'est quelque chose d'assez cool, je trouve, a assez grisant. Ce côté un petit peu comme dans Stargate, tu sais, de ça pourrait exister. Ouais, totalement, je vois. C'est du fantastique euh... dans un monde très réel. Et je vois qu'il y a des liens avec les films, notamment euh, l'acteur, euh, le pote bah, de Benjamin Gates, le, le nerd euh, à l'époque, qui joue qui Justin, je crois, qui reprend son rôle. Ça fait, ça fait plaisir. Apparemment, ouais, je l'ai pas encore vu. Euh... Euh... Oups, désolé. C'est pas, pas, pas très grave. Mais, de... mais t'as euh, Peter Sadowski aussi Ah, euh, le truc du FBI Ouais, le, le petit vieux. C'est bien ça, ouais, je, je l'aime bien lui. Qui était déjà vu à l'époque et que tu vois dans l'épisode 1 de, de la série Il n'y a pas de rapport avec Benjamin Gates, il ne cite même pas le nom de Benjamin Gates. Bah ça fait allusion, tu vois, mais ça ne le dit pas, quoi. Ouais. Bah en vrai, cool, euh, que... en vrai, ils peuvent très bien le citer, hein, c'est juste qu'il n'y a pas Nicolas Cage dedans, mais tout le reste est ok, hein. Enfin, c'est vraiment la même franchise, hein. c'est assumé pour le coup, et euh... okay. tu vois que c'est dans la même lignée, tu vois que... On repart un peu sur des bases similaires, tu vois, le, le film, la, la, la série, elle commence, à... t'as un flashback... Euh... Avec les parents de l'héroïne, tu comprends très vite. Hein. Et oui. euh, ah, mais oui, surtout ne sois pas comme ton père, tu vois. As tout ce... Ah, c'est euh... la fille toute cette de, narrative de euh... Non, c'est pas mmh. la, okay. c est, c est la fille de Gates. C'est la fille d'un chercheur de trésors, euh, protecteur de trésors. Enfin, en fait, okay. ça reprend un petit peu cette formule des films qui marchait plutôt bien de dire, mmh. euh, bon, bah, la chasse au trésor, tu sais, c'est un truc extrêmement grisant et tout, mais par contre, putain, euh, t'as une bon vie quoi. compliquée. Et du coup, tu as toujours un peu des, des, des conjoints ou quoi qui te disent Ah non, arrête <laughs> C'est dommage que, que, que Nicolas, Cage, Nicolas Cage fasse plus rien de bien en ce moment. J'aime beaucoup euh, il a des... Nicolas Cage. Je il a sais pas trop que... problèmes, Nicolas Cage Avec la justice, tu penses euh, Non. J'étais plus avec la drogue, moi. Ouais, je pense plus. Hein. Plus des problèmes ouais, de santé. Non, mais... ouais. je me sens que c'est pas foufou. Fou, hein. ouais, c'est un acteur que j'aime énormément, Nicolas Cage. Je. J'ai grandi avec tous les films de Nicolas Cage, plus ou moins bien, Volteface, euh, déjà vu, les euh, trucs comme ça, quoi. Et, et ça manque vraiment. Mais franchement, enfin, la série est très bien. La série est très bien. Je trouve que pour l'instant, euh, je... c'est un peu tôt pour faire un bilan, quoi, Plus qu'un épisode. Mais euh, ça marche, c est, c est, ça va vraiment dans les mêmes vibes. Ça commence déjà. À la fin de l'épisode 1, euh, tu as déjà vu pas mal de trucs. as vu. Euh... Plusieurs personnages, euh, tu as eu des rebondissements, machin. Donc ça, ça part un peu sur ce rythme. Ça aussi qui est bien dans, les, euh, dans cette série-là de films, c'est que c'est rythmé en fait. Il se passe toujours quelque chose. Tu vas toujours avoir des rebondissements, des courses-poursuites, des, euh, des courses contre la monde. Ah, il faut, euh, il faut, faut déchiffrer le truc, mais il faut se faire gaffe parce que derrière, on, va, on se fait peut-être suivre, et ainsi de suite. Et, et, et tout ça, c'est vraiment. Du début à la fin, en fait. C'est trop cool. Donc, euh, vraiment hâte de voir la suite. Vraiment euh, très, très bien pour le coup. Je sais pas si Willow est me... bien, mais euh, celle-ci est... a l'air d'être une bonne, euh, une bonne euh, surprise. Tu me l'as bien vendu. Je pense que je vais me régaler ça demain. J'ai mon petit rituel Quand je me lève euh, le matin, je me mets un film et après, je vais bosser. Ce qui est probablement la pire chose d'un point de vue productivité, mais tant pis. Non, en plus, tu as bien bossé aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, j'ai rien foutu. J'ai joué à Civilisation toute la journée. Euh, j'ai strictement rien foutu. Voilà. Bon, quoi d'autre ouais. bah Moi, j'ai pas vu grand-chose de de nouveau. Il y a pas un... un truc historique sur Disney Plus que je regarde ce que je euh, as... que je vois, ce que j'ai regardé récemment Je sais pas trop en vrai. Euh... T'as les poursuites ah, la lecture, et si tu scrolls tu peux voir tous les vous... parce que vous avez vu, tu vois Ouais. Moi, j'ai vu euh, récemment, j'ai vu euh, Pinocchio, le... le remake. Lequel ah ok, oui, on y... euh, bah, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah, ah ouais, si, je sais pourquoi, parce que je pouvais le voir euh, en faisant autre chose. Tu vois ouais, t'as mis la VF <laughs> Donc, euh, je mettais la VF et euh, je t'ai semi, euh, semi devant... Enfin, j'ai regardé sérieusement, tu vois, mais je m'empêchais pas de m'éloigner deux secondes. Quoi. Mmh. Bah, si ok, non, ouais. Il je... euh, y, y a des trucs un peu cool, mais dans l'ensemble, bah, on s'emmerde. Enfin, je suis désolé, mais... Des remakes, de remakes, de remakes, c'est chiant en fait. Au bout d'un moment, on en a marre. De toute moi, les remakes Disney, j'ai abandonné. J'ai toujours pas vu Dumbo et je pense que je le verrai pas. Et euh, là, Pinocchio, j'ai pas vraiment envie de le voir. Hein. Dumbo est pas le pire, mais bon. Non, non, pour moi, vraiment, les remakes, que j'en retiens pour l'instant, c'est toujours. Euh... En fait, c'est les trois qui s'éloignent, tu vois. C'est euh, le livre de la jungle, c'est. Euh... Maléfique. Ah, je comptais pas comme remake, mais admettons. Euh, mm. C'est euh, Winnie l'ourson est intéressant aussi. Je trouvais il est, bien, cool. il est bien, il est vraiment bien, il cool. est Et Peter et Elliot le dragon qui est sympa. Après c'est pas incroyable, mais euh, bon le, le, le film original est une daube donc. Euh... J'ai pas vu. Est-ce que t'as vu euh, aucun rapport hein la nuit au musée? La série animée? Euh, c'est <laughs> okay, le c'est pas Caroui une série, c'est un film bordel! dis <laughs> pas de série, j'ai dit film. T'as dit série? J'ai dit série. Clippez-moi ça les modos. Eh <laughs> <Et> merde, adieu. <rire> euh... <rire> Ouais, euh, j'ai envie de voir ça. J'ai bien aimé les premiers films. Moi, je, euh... ça m'a toujours un peu laissé indifférent. Bah, le 1 et le 2 étaient sympas. Je viens de voir qu'ils ont fait un 3, quoi. Bah, c'est ça. Euh... Non, non, la nuit au musée, le secret des pharaons. Ah, oui. Apparemment, il y a un 3, bah super, j'ai loupé ça. Euh, donc, c'est le 4, en fait. Euh, le retour de Kamunra. C'est avec la fille de... De... du mec joué par Ben Stiller. Et faut que je regarde ça. Ouais bon bah après c'est un peu triste de, de, de voir la new musée sans, Robin... <coughs> sans Robin Williams. Sans Mais... Robin ouais. Williams. De quoi Il y avait Robin Williams, je sais plus. Bah oui. Putain voilà. Ah il faisait le, le général Bah oui Ah merde oui Ah oh, putain maintenant que tu me l'as rappelé, j'ai pas envie de le voir. <laughs> <laughs> Désolé, et euh, euh, ouais, non, mais c'est après. Je dis pas, c'est probablement bien, mais j'ai l'impression que ça, 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 c'est sorti et euh, Disney a fait zéro comme dessus. Très bizarre parce que c'est quand même un, comme un budget quand même qui est certain. J'ai vu rien passer, quoi. J'ai rien vu passer. Une <laughs> image dix jours avant, même pas vu la bande annonce. Alors, je dis pas qu'ils en ont pas fait, ils en ont fait une, hein, mais. Euh... Tu enfin ça, ça devient compliqué je trouve euh, chez Disney de vendre des trucs qui sont pas Marvel Star Wars, ça a encore un peu de mal quoi. Bah euh, regarde, je te dis à Valonia, il y a eu zéro pub, le machin c'est un four euh, immense hein. Ouais ouais, après en France c'est compliqué mais ouais. Je suis d'accord que à euh, j'ai pas encore vu non plus du coup. Mais euh... ouais, ouais. Mais... Après, j'avais pas trop aimé les... les deux films auxquels il est souvent comparé. Donc, nosic, euh, Pardon. Euh, merde, comment ça s'appelle Si Non euh... Ah bah, Merci pour ton aide, Atlantis et euh, comment ça s'appelle l'autre La paix trésor, merci. Ok, euh, je savais pas qu'il était comparé avec ceux là Moi, j'aime bien Atlantis bah, côté bien un, un peu trésor. aventure, science-fiction, euh, épique, machin. Je sais plus. Avec, je sais plus avec qui on en parlait sur Disney, ah sur, euh, sur le Discord, mais généralement les films de science-fiction euh, Disney, c'est pas les vendre ou euh, c'est pas les réussir. C'est où choix. Ouais, bah oui, bah avec Buzz l'éclair cette année aussi qui est, qui est pas bien. Hein. Je suis désolé. Hein. Faut dire les termes. Tou hein. Toujours pas vu, toujours pas vu. Et bah, tu fais bien, je ai franchement. plus rien à foutre de Toy Story, donc. Euh, bah, ça n'a rien euh... à voir hein, pour le coup. Non mais, euh... mais le, euh... le lore, l'ensemble le Buzz euh, Toy Story. Buzz on on s'en fout Nacher, du lore, tu vois pour le coup. On plus rien à foutre. Mais. Mais c'est juste pas bien en fait, mais c'est que ça aurait pu être bien, tu vois. Et bienvenue dans la mine. Salut Valentin du 28 26, pardon. Il y a, il y a Jackie Gillenall dans Avalonia, ah, tu vois, je savais même pas. Si Ah mais je me suis il y a tellement peu eu de com de Disney que j'ai même pas trop regardé de quoi ça parlait. Euh, j'ai vu apparemment que ça mettait en avant des personnages LGBTQI. Euh... Euh, ce que je savais pas du tout, il oh, ça sur Twitter. Mais comment tu fais pour pas savoir Après, tu, tu zappes tout, alors forcément, tu sais rien. C'est comme si tu disais Ah, je lis pas le journal, je sais pas ce qui se passe dans le monde. Non, mais je regarde pas les bandes annonces, généralement. Ouais, mais... Donc, euh... Oui, mais c'était pas dit dans les bandes annonces. Les bandes annonces, on l'a eu il y a deux semaines, la première. Enfin, non, j'exagère un peu, mais en vrai, on le sait depuis plusieurs mois. que. Non, mais c'est que mon podcast préféré sur Disney, on en a pas parlé. C'est pour ça. Mmh. Ah ouais <laughs> Ouais. Fland... Mais si, il y a eu un flan <laughs> dessus. Ouais, je euh... <laughs> n'ai pas... pas regardé les plans <laughs> là-dessus. <laughs> ouais, bon, bref, en tout cas, euh, un film qui semble un peu passé à l'as. Euh, faut... On en parlera, je m'imagine un de ces jours. Euh... Ah si, je sais ce que j'ai regardé il y a pas longtemps, les nouveaux mutants. Ah tu l'as vu ah, Ouais il aimé, est vachement moi. bien. Il est vraiment bien. Euh, enfin, un film Marvel, ré... euh, un film X-Men récent qui est pas dégueulasse. Il est, il est pas parfait, tu vois, mais je trouvais plutôt mignon. C'était cool. Ouais, pour ceux qui ne s'y situent pas, c'est des mutants, donc c'est euh, un reliquat de la Fox. Euh, il a été produit par la Fox et il me semble que Disney l'a maintenu en vie un peu artificiellement. Il a été réécrit, écrit plusieurs fois, donc il a un peu souffert. Euh, L'histoire, c'est des mutants qui sont enfermés dans un, dans un asile dans un hôpital et euh, ils apprennent à... à vivre ensemble, ils apprennent à collaborer pour s'en sortir parce qu'il se trouve que euh, en fait, c'est un piège et qu'ils vont se faire euh, laver le cerveau. Euh, oui tout à fait. Il euh, y a du Maisie William dedans donc Arya de Game of Thrones c'est vraiment pas mal. Ouais euh... ouais c'est plutôt cool effectivement t'as euh, aussi euh, euh, Anya Taylor Joy un truc comme ça. Euh, oui c'est possible. Plutôt bien il joue percé la... aussi. Ouais. Le seul problème c'est que bah, c'est du X-Men donc euh, c'est tué quoi il y aura pas de y aura pas de suite. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage effectivement parce que je, je trouvais ça cool. Après, le film a fait un flop et puis avec son, son écriture compliquée, c'était laborieux quoi. Mais non, mais regardez-le, c'est un bon film. C'est pas de l'horreur. Il y a des passages un petit peu impressionnants quand même parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Marvel, il y a euh... Mirage. Donc c'est une héroïne qui peut créer des illusions à partir des peurs des gens. Ouais. Donc forcément, il y, a des, il y a des scènes légèrement traumatisantes. C'est très léger. Très léger, Franchement... mais moi bon, ça me suffit pour, être un... pour avoir un petit frisson, tu vois. Mais oui. euh, ouais, regardez, c'est euh, c'est dommage parce qu'on n'aura pas de suite. Mais bah après ça peut passer encore en film. C'est pas très grave s'il n'y a pas de suite. Enfin, la, la fin est relativement satisfaisante et euh, c'est plutôt cool. il ouais, y a Fanny qui me dit qu'il y a aussi euh, Jonathan de Stranger Things. Euh, euh, qui je sais joue, pas euh... quand je l'ai vu. Euh, J'avais pas vu Stranger Things. Ouais, c'est vraiment bien. Et c'est probablement le seul contenu sur les mutants qu'on aura avant une bonne dizaine d'années. Oh, Peut-être pas. Je sais pas, apparemment, il y a des contrats qui disent que c'est pas avant 2020. Euh... Je sais plus combien. Bah, qui si c'est si 2020, c'est pas, euh, pas une ah, dizaine d'années, dizaine je veux dire. Euh, ça avant cinq. longtemps, quoi. 3, 4, 5, donc ça va. Ça va. Mais euh, c'est cool. C'est cool. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Je sais pas si les ouais. gens veulent intervenir Ils n'ont pas l'air de vouloir. Mais. Euh... Bon. Comme film de Noël que j'ai découvert Il y a The Greatest Showman De Noël bah, Feel good à la fin euh, Un petit peu feel good, il y a des musiques moi, il passe, Pour moi il passerait bien à Noël ah, C'est du mal avec le côté feel good du film Tu vois, J'aime bien le film Mais j'ai toujours l'arrière goût de euh, En fait le mec c'était un peu un mytho quoi. Ouais Donc, faut euh, ça. Le film est un peu un mytho Donc il euh, faut, faut passer outre ça je trouve ça pas évident, évident. Tu vois. Il y a Goudker qui nous dit, il y a bien la, la musique de la série animée X-Men dans un dans le dernier épisode d'une série Marvel sortie cette année sur Disney ⁇ on n'en dira pas plus, je pas spoiler. C'est vrai qu'il commence à hum, il commence à nous donner des petits, des petits bouts de, de viande, comme ça nous acheter des petits trucs en disant, les mutants sont là et ils arrivent. Euh, bah, D'ailleurs, dans Black Panther 2, il y en a Namor, qui est un mutant. Mais euh, pour Mais moi, il y aura pas un premier. Qui... Non. De quoi euh, non, je dis de la merde, pardon, excusez-moi. Non, encore dans le 2. Mais pour moi, on n'aura pas de film X-Men avant un petit bout de temps. Ce qui me fait chier, parce que j'aime bien les X-Men. Les films X-Men, j'ai grandi avec euh, les X-Men 1, 2, 3. C'est vraiment mes films de super-héros d'enfance et je suis très attaché à cette licence. Tiens, dans les... dans les films que les gens ont pu manquer sur Disney, je sais que tu as vu Prey. Ah ouais, très bien. Très très bien. Ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est un... bah, la suite de la saga Predator. Euh, un très très bon, très, très bon film. Est-ce que c'est pas l'horreur C'est pas de l'horreur. C'est un préquel euh... Ouais, c'est un préquel. C'est un préquel. Pré pré Il est bien. C'est pas un film d'horreur, c'est un film d'action euh, dans la droite ligne de, de ce qu'est un prédateur. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils se sortent les doigts du HUC et qu'ils sortent la série Alien. Euh, bah, les que... séries FX qui avaient été annoncées il y a quelques années, on les attend. Ouais. Le Shogun. Euh... Après, qu'ils prennent leur temps, c'est pas plus mal, hein, mais euh... ouais. Ouais, ça ferait du bien. Après, il y aurait sur hein... le cinéma, ouais, je... ouais, sans doute. Je suis d'accord, mais d'un côté, ils ont besoin de contenu original sur Disney. Plus dit. C'est surtout et pour Ulu hein. aux US. Après, c'est Ulu. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en France, il faut que t'aies autre chose que du mariage du Disney, quoi. Bah c'est ça en fait, et pour moi ils, ils commencent à arriver à avoir un catalogue intéressant, maintenant j'ai encore du mal à les vendre, ça c'est autre ouais. chose tu vois. C'est pareil, euh, vous avez vu Only Murder in the Building ou pas Seulement là, hein. pas le, pas la 1, pas la Pareil, j'ai pas encore repris la saison 2, mais c'est pareil tu vois, enfin s'il y avait une, une com, j'aurais probablement regardé la saison 2 déjà. Mais comme il n'y en a pas eu, bah, je suis un peu passé à côté, c'est pile au moment où il y avait à la fois euh, She-Hulk et je sais plus quoi, euh, Mar Miss Marvel et euh, Obi-Wan, c'était un peu cette période-là, c'était un peu le rush, et finalement, euh... derrière ça a enchaîné, il y a eu The Boys, et, euh... et puis après... Euh... Les anneaux de pouvoir <laughs> Les anneaux de pouvoir, donc mine de rien c'est con, mais le, le, le champ médiatique, il euh, faut, enfin, faut, faut s'y placer, en fait, il suffit pas de produire les titres, il faut, faut les marteler derrière, en fait. Alors que tu vois, pour moi, il l'aurait décalé un petit peu, et il l'aurait mis euh... avant Willow. Bah, ça aurait été pas, mal avant Willow. Il y avait Endor. Ah il ouais, fallait savoir qu ne marcherait pas. Ouais. Mais je suis d'accord, c'est toujours un peu bizarre, tu sais, quand t'as une série qui finit et six mois après t'as la suite. T'es, il y, y a un truc où psychologiquement, moi, si la première saison sort en octobre, je vais attendre la suite éventuellement en octobre. Eh. Je sais pas si c'est une histoire de mood ou quoi, mais euh, quand, comme c'est arrivé en juin, je me suis dit oh déjà. Et c'est pas que je voulais pas la voir, c'est juste que bah. Je sais pas, je n'étais pas dans le truc tout de suite et je suis à autre chose. quoi. Et puis surtout, il y a l'excellent Martin Short. Bien sûr. On a parlé au, dans le dernier Label et l'apéro parce qu'il jouait dans Ciné Magique, mais. Euh... Et on en a parlé euh, tout à l'heure Euh Non. Attends, je confonds. Faut... Non, c'est dans Label et l'apéro de la semaine dernière. Euh, oui, mais pas que. Attends. Vas-y, continue. Il cabotine comme jamais. Enfin, il joue le rôle d'un producteur de comédie musicale à la manque. Ben, oui, mais on, on, a parlé de, on a parlé de Steve Martin tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il était dans le remake américain du Père Noël est une ordure. Steve Martin, c'est celui qui joue euh, Charles. Ah ouais, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais. vraiment goldé, hein, euh, cette et, série. Et là, elle... Donc les deux vieux avec Selena Gomez, c'est génial, ça marche très très bien. Le, le trio ouais. est vraiment super. Non, regardez-là, ça, ça mérite vraiment d'être. Euh... D'être vu, revu, c'est vraiment une très bonne série. Ouais, c'est un. En plus, ça parle de podcast et de, de ouais. meurtre, donc c'est parfait. C'est un petit peu tout ce qu'on souhaite faire nous aussi dans le level. Euh, Par contre, j'ai découvert le. Je connaissais pas les, tu sais, les meurdeurs podcast. Comment ils disent bah, Les true crime. Ouais, les true crime, ça, je connaissais pas du tout. Bah, ne Je savais même pas ça existait. Je pense que ça se fait assez. On wow, en voit l'effet divers, quoi. Ouais, mais je sais pas qu'il y avait des podcasts là-dessus. Oh. Essayé, je vais essayer d'en trouver pour, les... pour en France. Je pense qu'aux US tu dois en avoir la blinde et en France ça doit se trouver aussi. Hein. Regarde, c'est comme les, les, les documentaires true crime sur Netflix qui cartonnent, hein. c'est pareil. Hein. Ouais. Ouais, enfin, sauf quand ils euh... il romantisent des meurtriers euh, dégueulasses. Pourquoi pas faire une série Disney Plus sur le podcast rien d'y penser, je suis chaud. On vend les et droits. Il y a une troisième euh... saison. Qui est prévue qui est prévu pour fin 2022. Je... Je... Je check it, fin Fédia, 2022, pardon. Parle. 2023? Bah écoute, moi Wikipédia oui, me dit 3... le tournage de la troisième saison est prévu pour fin 2022. Ah, le tournage, ok, oh, tu m'as fait peur. Ah oui, oui, pardon, oui, non. <laughs> Ça... Doucement, doucement. <laughs> en fait, je me demande si c'est pas une série. C'est une série qui fait une belle audience, malgré tout. Mm. Fait partie de celle qui arrive à bien surnager euh, sur Disney, euh, hors Marvel et Star Wars. Et qui, je pense, coûte pas grand chose à faire. Non, c'est sûr, euh, y a euh, pas de. Outre les cachets de, voilà, euh, de Sting dans la saison 1. Hein. Ah putain, c'est vrai. <laughs> ça, va être ouais. ça va être relativement léger en fait, prod, quoi. Mmh, mmh. Moi, j'ai rien d'autre de spécial à, à recours. Ok. Bon, on a fait un beau tour déjà. Ouais. Non, on a vraiment fait un truc très bien. Non, mais tu vois, il y a de quoi faire euh, sur Disney, je, je pense. Et, euh... et c'est cool parce que, euh, mine de rien. Euh... Il a pas si longtemps que ça, tu vois, il n'y avait pas cette profusion, je trouve, de, de création. Et on, encore, on n'a pas parlé de tout, parce qu'on n'a pas pu tout voir, tu vois, mais... Tu sais qu'il y a eu la série euh, The Dropout, qui a, qui a été très bien reçue. Il y a eu la série... Euh... As la série The Patient, t'as la série The Old Man. Mm. Quand il y a un The devant, généralement, c'est pas mal, apparemment. Et... <laughs> mais The Old Man, je crois que c'est euh, Hyperdrive qui en a beaucoup parlé. Oui, oui, oui. Ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'il parlait un contenu qui n'était pas Star Wars. Mais euh, ouais. Euh, ouais. Non non franchement il y, y, y a beaucoup de contenu sur Disney Plus il faut vraiment pas hésiter à gratter un petit peu pas que le Marvel et Star Wars et, et Disney classique on va dire mais il faut, non, faut, faut qu... gratter faut gratter peut-être qu'un jour ouais. on arrivera à produire un format de podcast qui vous aidera à gratter un peu plus facilement mais c'est pas dit ouais non moi pour ma part je suis en train de checker Disney Plus là de d'ajouter les trucs à ma liste et d'en enlever. Et... J'ai une liste, une watchlist qui commence à être bien remplie. Hein. De ah toute façon, je pense que Disney Plus... Je jamais des watchlists sur les sites. Euh... Bah moi, j'en mets plein puis je ne les regarde pas, donc c'est un peu chiant. <laughs> mais tu vois, Disney Plus, c'est la, la plateforme que je lance le plus. Quand je ne sais pas quoi regarder, je me le lance rarement Prime ou rarement euh, Netflix. Hein. Ouais, euh... Est-ce que ce n'est pas là le succès de la synergie comme on baigne dans un environnement où on parle ouais. des parcs ou machin, tu vas être plus tenté parce que tu as, malgré tout, quoi qu'on dise, une affection un peu plus forte pour la marque Disney. Tu vois, même si on se considère pas forcément Disney fan. Ouais. Oh. On... Je suis d'accord. Hein. Moi, c'est pareil. Mais voilà. Je peux faire un point hors Disney Plus Vite euh, fait Ouais, ouais, bah oui, il y a eu à couteau tiré là, il y a sa suite qui vient de sortir sur Netflix. J'ai besoin de voir les deux. Ah, je pensais je connaissais pas mais euh, c'est les deux de Ryan Johnson des euh, des murder euh... ah oui mmh. euh, l'autre jour je suis chez les parents d'Ophélie donc le week-end dernier et la mère d'Ophélie regarde un truc qui s'appelle Sandman et pour ceux qui connaissent pas c'est une bande dessinée c'est un Netflix. comics sur Netflix ouais euh, bah de Nell Neil Gaiman et... t'as dit quoi t'as dit Neil ah bah non c'est plutôt Neil effectivement <laughs> et honnêtement okay. euh, ça m'a l'air vachement bien j'ai regardé deux trois je suis passé devant deux trois fois pendant qu'il regardait ça et honnêtement euh, let's go je pense que ça va bien me plaire ouais s'il y a des gens qui peuvent me dire si c'est bien ou pas histoire que je me lance pas dans un truc trop bah, je crois que ça a été plutôt vu comme décevant en tout cas en termes d'audience euh, ouais. chez Netflix je sais plus si la saison 2 a été annoncée il me semble qu'avoir été surpris qu'elle ait été annoncée malgré des, des résultats enfin ça, ça a beaucoup marché mais Netflix euh, ils ont des attentes qui sont plus forte aujourd'hui que celle de Disney. Hein. Bien plus forte. Ouais. Hein. Quand, quand okay. on dit que les audiences n'ont pas été folles, euh, bon, elles sont restées sans commune mesure par rapport à celle d'Andorre. Hein. Ouais, hein. ouais, bien sûr. Donc, euh, ça, ça me tombe bien. Neil Gaiman, il a fait, bon, il a fait trop de trucs. Je pas envie de, de m'étendre sur ce qu'a fait euh, Neil Gaiman. Euh, ouais, il y a Goudkar qui dit euh, glace-oignon, c'est bien. J'ai découvert ça hier en regardant mes tendances Twitter. Bah c'est la suite de, c'est ce que tu disais, un couteau tiré de Knives Out. Ouais, mais oui. Mais je trouve que c'est difficile. Enfin, j'ai pas fait le lien entre les deux tout de suite. Heureusement que tu me l'as dit. C'est bah, le je... même c'est le même perso principal. C'est une trilogie, je crois. Je crois qu'il y en a encore un de prévu. Par Ryan Johnson, qui est hyper ouais. content, je crois, de faire ça depuis. Le mec, il a fait Star Wars 8, il s'est fait défoncer, il a fait à couteau tiré, il s'est fait acclamer. Et du coup, je pense qu'il est content de faire ses... les suites. Ça me rendrait tellement triste qu'on n'ait pas de suite de enfin, pas de nouveau Star Wars de, de lui quoi. J'avais ouais, vraiment je adoré Star Wars 8. pas par venir. Je Peut me tromper hein, mais. J'espère, j'espère, j'espère. Bon, on arrête peut-être là, je sais pas. Ouais, moi moi ça... j'ai rien d'autre à dire. Ça te va, c'était bien, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à parler de. Ouais j'étais beaucoup. De tout de, de tout ce dont on a parlé. Je suis d'accord, c'était vachement bien. Et puis. Euh... Euh, n'oubliez pas que le lundi ah le point planning mais eh oui c'est ça ouais. que j'aurais dû faire merci 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 euh... Euh, je crois que le lundi je me nettoie moi ah le lundi tu te nettoies Eh bien, moi je ne ouais. sais pas ce que je fais euh... je meuble un petit peu tu pour que je récupère le planning mais t'inquiète on ça, a ça. Un, on a un nouveau format de planning on a refait enfin vous vous avez refait le... tout l'habillage visuel Nagla a refait c'est vraiment fort sympathique je pense que c'est plus clair. Ouais, totalement. Pas plus beau. C'est moins. C'est moins chargé visuellement, je trouve. Là, on aurait peut-être dû mettre un mode studio, moi. Voilà, le voilà, le planning. Je me entre nous deux. Je cache un peu le chat. Tant pis. Pas très grave. Donc, vous avez tout. Euh, vous avez donc euh, le label et l'apéro qui, qui est en train de se conclure sur les prolongations de Noël. On joue un peu les prolongations avec euh, tout ce qu'on vient de dire. Euh, mercredi à 18h, à ne pas manquer, je pense, hein, Margot et Max qui jouent à It Text Donc, c'est un jeu sur un couple qui se dispute, avec Margot et Max qui se disputent. Ça va être C'est vraiment le moment de voir Margot euh, tacler Max. Euh, ça ouais. va être très drôle. Je pense qu'on va avoir des, des, des révélations sur leur vie de couple. Assez intéressante. Ouais. Ouais, Vraiment, franchement, je ça. franchement euh, on va se rincer l'œil euh, mercredi à 18h. Euh, jeudi, vous avez le nouveau flanc sur Ernest et Célestine, euh, le voyage en Charabie. Ouais, J'ai euh, très hâte de l'écouter. La spécificité, c'est qu'ils ont eu l'occasion d'interviewer des réalisateurs du film et du coup en fait euh, bah, ça, ça, ça rythme le podcast le podcast sera rythmé d'interviews, de questions et de réponses des réalisateurs du film donc c'est euh, encore une fois euh, un beau contenu qu'on vous propose là c'est une et... belle opportunité pour eux d'avoir été invité j'espère que ça se reproduira le... très souvent tout à fait, donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller écouter ça et à encourager euh, ce podcast, on espère qu'il marche bien euh, ça serait cool, ça serait euh, mérité pour les équipes qui nous ont fait confiance et pour euh, l'équipe de Flan qui a fait une interview et enfin dimanche, euh, on a un article sur Il était une fois deux par Max sur son blog Musicland. Euh, je ne sais pas si Max est encore dans le chat et peut nous faire euh, le truc, euh, le lien vers son blog. Le euh... temps qu'il réagisse, j'ai envie de dire que c'est la première fois que je vois le logo de Musicland. Je l'avais jamais vu avant. Oh, bon, non. Son... <laughs> euh, <tu> <laughs> le alors Bruno. C'est son. Pardon. Tu fais le label et la bête avec alors que... Tu fais le <laughs> label l'apéro avec alors que. Alors que c'est quand même son... Enfin, c'est le logo de son Twitter et tout ça. Là, je l'avais pas retenu, mais je crois qu'il était noir. Il n'était pas blanc. Bah, il est noir, mais il est noir sur fond blanc. Mais comme là, le, le, le planning est en noir, il est ah, blanc okay. sur fond noir. Et card, dis, y qui dit il n'y a pas une erreur entre mercredi 27 et jeudi 28. Ouais, <laughs> c'est un détail de l'histoire, t'en fais pas. Mercredi 28 ouais, non, et jeudi 29, euh... c'est pas grave. Ouais. Eh <laughs> <Et> merde. <rire> <rire> merci, <rire> merci ah, <good> <laughs> Ah mais c'est la C'est Nagla qui a, Nagla a dire, fait hein. le planning c'est de sa faute et, euh, et donc il était une fois deux donc Disney rend hommage à Disney euh, Donc Max se la raconte sur son blog Disney euh, musicland.homme.blog euh, je ne sais plus quoi euh, en vrai Musicland.elabet.com. je crois que ça marche c'est plus euh, compréhensible Ouais ça marche Musicland.elabet.com. Euh, donc euh, n'hésitez pas euh, à aller Lire ça dimanche euh, en espérant qu'il ait fini de l'écrire d'ici là. Bah oui, on les fait confondre. <laughs> on se mettra en vocal, on ira languer. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Donc, euh, on vous propose un programme assez chargé euh, cette semaine encore. On espère que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à aller écouter le podcast sur les Rien que d'y récompenser. Tout le monde ne l'a pas écouté et c'est pas bien. Il faut aller l'écouter et le réécouter parce que, euh, quand même, on récompense plein de trucs cool. Et euh, je vous dis donc à bientôt et à de nouvelles aventures mercredi sur la chaîne Margot et Max. Salut Vala, salut tout le monde. À plus tout le monde, à plus